Le championnat de France de rugby sur Canal+, avec France Télécom, partenaire du rugby. Et la GMF, assureur et partenaire du rugby. Toulouse, le choc au sommet du top 16 du championnat de France de rugby de la poule 2. La preuve tout de suite avec la lecture du classement. Agen est premier. On rappelle, Philippe, que la première place sera directement qualificative pour la Coupe d'Europe l'an dernier. On a vraiment un choc au sommet aujourd'hui. Oui, c'est le premier qui reçoit le second avec juste une petite différence d'un point. Mais Agen qui n'a reçu que deux fois et les Toulousains qui ont reçu trois fois. Alors Agen a gagné trois matchs à l'extérieur alors que Toulouse en a gagné un et j'ai fait un nul aussi à Pau. Donc les deux équipes sont assez proches. C'est vrai que si Agen venait à gagner aujourd'hui, il se détacherait un petit peu plus encore au classement alors que Toulouse relancerait cette première place s'il venait gagner à Agen sur les terres donc au bord de la Garonne. Voilà. Alors l'ambiance dans le stade Normandie est en train de monter. Il y a de la musique, il y a du monde. C'est une grande après-midi de fête de rugby à laquelle on se prépare. Mais nous d'abord, avec les camarades de Laurent Dom, on vous propose d'aller plutôt au calme, si l'on peut dire, du vestiaire toulousain, respirer l'ambiance toulousaine à quelques minutes du coup d'envoi. La concentration de Jean-Baptiste Elissal, il ne manque plus que l'odeur. Merci aux entraîneurs toulousains de nous avoir permis de passer ces quelques minutes avec eux. Les Toulousains qui viennent de rentrer de l'échauffement. Philippe, ce choc franco-français sera arbitré par un Écossais, ce qui a donné lieu tout à l'heure à une scène un petit peu cocasse au moment du toss. Écoutez. Tails, heads. Sorry, you want to feel? Yeah. Okay. Tu tapes. J'ai pris le terrain. Alors double avantage pour Fabien Pelouse, le capitaine de Toulouse qui a gagné le toss, qui choisira le terrain et qui parle anglais, ce qui n'est pas le cas de Jean-Jacques Trinca qui aura besoin d'Omar Hassan pour être son interprète. Quelques images de l'échauffement des Agenais, Philippe, pour rappeler que les Agenais donc, n'ont pas disputé de compétition depuis 15 jours puisqu'ils sont privés de Coupe d'Europe suite à leurs soucis la saison dernière chez les Gallois de Epvale. Où en seront-ils physiquement? C'est la grande question du jour. Oui, c'est vrai que c'est la grande question. Alors l'équipe de la Genèse va jouer avec un pack toujours identique. Donc là, pour eux, peut-être que ça aura fait du bien de récupérer un petit peu. Alors que pour les trois quarts, ils ont beaucoup changé ces derniers temps. Ils ont très peu joué. Et là, le manque de compétition peut être joué à leur défaveur. C'est Guy Noves qui dit avantage mental et physique pour Agen, mais rien ne remplace la compétition. C'est vrai que la compétition...
c'est complètement différent que, de l'entraînement. Un entraînement physique poussé, c'est bien, mais il n'y a pas tous ces chocs, il n'y a pas toutes ces courses bien particulières, et donc il vaut mieux jouer que de ne pas jouer, ça c'est sûr. Ensuite, sur la durée 80-90 minutes, voilà, peut-être que de ne pas avoir joué ces matchs de Coupe d'Europe, ça peut être un avantage, mais certainement pas pour le départ. Avant ce grand choc du top 16, voici la composition des deux équipes en attaque par celle du Sporting Union Agenais, avec en première ligne Jean-Jacques Crenca, capitaine, Jean-Baptiste Rué au talonnage, Omar Hassan, pilier droit. En première ligne agenaise, c'est une première ligne de fer, c'est une des bases du pack agenais. Or, ces trois joueurs jouent ensemble depuis 3 ans, donc ils se connaissent vraiment très bien. La deuxième ligne est récente avec Jean-Michel Parent et Samuel Mouchy. Alors là, c'est totalement différent puisque deux nouveaux joueurs, Jean-Michel Parent qui était titulaire l'an dernier à Mont-de-Marsan. Quant à Samuel Mouchy, lui, il était plutôt remplaçant au Biarritz Olympique. Ils devront faire oublier les deux anciennes deuxième lignes, Porcu et Cousinet. La troisième ligne avec le numéro 8, Thierry Labrousse, Philippe Benetton numéro 7, Mathieu Lévermont numéro 6. À la charnière, Mathieu Barraud et François Gélès. François Gélès, le buteur à Genève, lui a une carte importante à jouer pour trouver une titularisation au sein du 15 de France. Les centres, Guillaume Buick et Konrad Stolz, le Sud-Africain, aux ailes d'Agen, Christophe Corot et Olivier Saramer. On accélère un petit peu parce que les joueurs sont en train de sortir sur la pelouse. Et à l'arrière d'Agen, Pepito et Lorga. On vous présente évidemment, comme à notre habitude, les entraîneurs, Cazobon, Dello, Lanta et Savio. Pour les remplaçants, nous aurons chez les avants Cala, Piacentini, Zverzut et Blanco. Et pour les trois quarts, Tandonné, Laforgue et Mikel. Coup d'œil sur la pelouse pour voir où en sont les deux équipes. Elles sont déjà sous les ordres du starter, donc on va s'excuser. On ne va pas avoir le temps de vous raconter la composition de l'équipe du Stade Toulousain. Ce sera dans le descriptif du match avec François Duboisset. Rapide, François, la stat de l'avant-match. François, est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous entendez François Duboisset? On a un petit souci, François, c'est pas grave, c'est mon micro. Ouais, donc ça y est, là on nous entend. Donc là, la stat de ce début de rencontre, regardez, pourcentage de victoire depuis plus de 50 ans, depuis 1946, Agen, quasiment 9 matchs sur 10 gagnés à domicile. C'est la meilleure équipe, faut pas chercher plus loin à domicile. En revanche, le Stade Toulousain lui s'impose une fois sur deux en déplacement, cela aussi depuis 1946. C'est le grand choc, donc la meilleure équipe à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur. Merci François, voici tous les joueurs sous les ordres de monsieur Dixon, c'était aujourd'hui de monsieur Changling et Anna, donc un trio arbitral écossais avec un quatrième arbitre français évidemment pour gérer les rampes. Agen, 5 victoires consécutives, série en cours. C'est parti pour ce match entre Agen et Toulouse. Avec une récupération cafouillée par les Toulousains, les Agenais avec un en avant. Et l'occasion pour nous tout de suite de parler, Philippe, de la principale information sur la composition toulousaine. La charnière, c'est Elissal qui joue de mille. Oui, c'est une grande surprise, la plus grande surprise de cette composition. Jean-Baptiste Elissal qui a déjà joué de mille à La Rochelle. C'est le buteur, on a besoin de lui. Et Michalak, alors on aura un duel intéressant aussi face à François Gélès. Lui aussi, peut-être qu'il aimerait être titulaire au poste numéro 10 avec l'équipe de France. Donc ça va donner des idées certainement aux sélectionneurs. En première ligne côté toulousain, il y a Colazo, Servat et Lecouls. Avec une poussée à Genèse, avec Mathieu Lévermont qui a sauté sur ce ballon. Et Labrousse qui peut ouvrir sur Gélès. Et tout de suite ça part au large avec Bouic qui a relâché un ballon glissant. Nouvelle intervention de Mr. Dixon. Oui, il y a eu un en avant là. C'est vrai que il fait bon sur Agen, Philippe ne va pas nous contredire, je ne pense pas qu'il pleuve actuellement, mais le terrain est humide. Un terrain un petit peu humide, mais je pense que quand les joueurs auront gambadé, je pense que ce terrain sera beaucoup moins humide, à moins que la pluie ne s'y mette, mais bon, tu es quand même de la région, je pense que tu es à même de nous dire s'il va pleuvoir ou pas. Non, merci, attention, c'est une mêlée tournée. On a vu immédiatement une grosse pression du pack Agenais, c'est vrai que c'est un des gros points forts de cette équipe. Belle conquête, mais Toulouse n'est pas mal là-dessus aussi. Alors. Et pénalité pour Agen. Attention, je ne vais pas jouer trop vite. On en poursuit, hein, Philippe, avec. Parce que là, les joueurs, sont, pour tout vous expliquer, sont sortis plus tôt des vestiaires que prévu. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter la composition de l'équipe de Toulouse. C'est probablement M. Dixon qui n'est pas à l'heure française. Donc en deuxième ligne à Toulouse, il y a Fabien Pelousse à côté du jeune Grégory Lambolet. Troisième ligne centre, c'est Christian Labitte avec Fino Maca et Trevor Brennan.
La charnière, on vous en a parlé, Elissal de Michalak. Au centre, Desbrosses Josion. Aux ailes, Tamac Emmans. Et à l'arrière, Clément Poitrenaud. Voici Jean-Baptiste Elissal, demi de mêlée et buteur aujourd'hui de l'équipe du Stade Toulousain. Lancé William Servat qui alterne avec Yannick Bru. C'est lui qui est titulaire aujourd'hui. Un lancé qui a lobé Brennan. Finalement, ballon pour Elissal de Michalak. Chandelle, la première du match, bien haut dans le ciel gris d'Agen. Et dessous, il y a un cafouillage. Récupération toulousaine avec Maca qui a relâché le ballon. Et Elissal, non, en avant. Ça profite pas. Premier ballon pour Toulouse, première chandelle. C'est vrai que les deux équipes se connaissent bien, notamment après cette demi-finale. Ouais, ils n'en ont pas trop parlé. Allez, les Toulousains l'ont visionné. Davantage, les Toulousains l'ont visionné effectivement. Attention. Côté fermé, Barreau. Repris haut, Maca, l'arbitre laisse jouer. Mais il y a pénalité en faveur des Agenais. Il y a un avantage en cours en tout cas. Voici la pénalité sifflée. Forcément, cette demi-finale gagnée par les Agenais à Montpellier 21 à 15 fait partie du contexte de ce match. Grosse envie de revanche chez les Toulousains. La plupart des joueurs ne l'avaient pas revu. Évidemment, Guinoves a mis la cassette dans le vestiaire en début de semaine. C'est vrai, Eric, c'est un contexte différent pour les Agenais. Peut-être qu'il vaut mieux pas la revoir. Pour les Toulousains, au contraire, par rapport aux déficiences de la demi-finale, c'est refaire prendre conscience que les Toulousains avaient perdu en fait le combat, la conquête sur cette demi-finale. Et là, on a vu le plaquage haut sur Mathieu Barreau. Là, c'est vrai que les deux équipes vont vouloir d'abord être conquérantes, gagner ce duel dans la conquête pour après essayer de jouer. Lancé en fond de touche de Jean-Baptiste Rue et capté impeccablement par Thierry Labrousse pour le mol des Agenais qui rentre dans les 22 mètres toulousains. Ça avance. Avec une échappée de Krenka, stoppée par Michalak. Et pénalité pour Agen. À partir de Malais, spontané, on ne doit plus aller chercher le ballon, effectivement. Stand up, number four, I think. Il fallait qu'il reste plutôt dans son camp là. On va revoir le groupe pénétrant avec Jean-Jacques Renka qui arrive à trouver la faille, mais il est bien plaqué par Frédéric Michalak. Derrière, il veut libérer, mais des joueurs, vous avez vu, sont allés au-delà un petit peu avec des épaules très très basses. L'occasion d'ouvrir le score pour Agen car Jean-Jacques Krenka, le nouveau capitaine de l'équipe agenaise, il a succédé à Benetton, a demandé à François Gélès de tenter et ça passe. Agen mène 3 à 0. Avec, on rappelle, le point commun dans ce top 16 entre ces deux équipes, à part lors de la première journée où Agen a perdu à Narbonne pendant que Toulouse perdait à Perpignan, elles n'ont plus perdu. 5 victoires consécutives pour les Agenais. Idem quasiment pour Toulouse qui a fait un match nul à Pau. On s'en souvient, c'était devant nos caméras. 3-0 pour les Agenais. Et le coup de pied de renvoi va être tapé par Frédéric Michalak. Pelousse dévie dans son cœur, mais sur Omar Hassan, le pilier droit Agenais. Charge de Rue et Aura. Barreau côté fermé avec la brousse. Intérieur, Krenka encore, bien stoppé et en touche. Alors les Agenais ont décidé de jouer court dans un premier temps, jouer des duels près des phases de conquête, de récupération, pour essayer de faire reculer les avants toulousains. Prise de balle de Lambolé, Elissal lance Michalak, Michalak croise avec Desbrosses. Elissal aura la charge de Fabien Pelousse. Brennan, Elissal au pied. Et Pepito et Lorga, arrêt de voler. Ouais. Ah, il tente. Saraméa essaye d'en marquer Emile Tamac. Olivier Saraméa, bien joué, l'accélération, il est passé. Saraméa, il retrouve du monde à l'intérieur avec Jeunesse. Il a pas pu donner le ballon. Ouais. Et du coup, le ballon a été récupéré par les Toulousains avec Elissal, Michalak. Michalak pour Fino Maca. Desbrosses maintenant. Desbrosses Poitrenaud. Poitrenaud joue jusqu'à Emmans. Emmans qui cherche à déborder. Corot et il est poussé en touche. Cédric Emmans, l'ancien Agenais, par son vis-à-vis. Il a fait lever les foules d'Armandie, mais maintenant il est dans le cas adverse, bien plaqué par son vis-à-vis Corot, alors qu'on a vu les Agenais sur le marque de Pepito Lorga ont essayé de jouer rapidement. Ils sont en pleine confiance, donc ils veulent mettre du rythme aussi, mais derrière ils ont perdu le ballon et regardez, c'est Toulouse qui a repris 30 mètres parce qu'ils savent aussi se passer la pelota.
Donc le ballon, pardon. Et ça donne une bonne touche, mais le lancer est à genêt. Jean-Baptiste Ruet, voilà le genre de ballon qu'il faut assurer, qu'il faut gagner. C'est fait grâce à Philippe Benetton. L'inusable Benetton, qui est à Agen depuis 16 saisons. Et Gélès peut donner un petit peu d'air à son corps. Les Agenais, hein, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur goal average. C'est l'équipe qui domine le top 16 depuis le début de cette saison. Ils ont marqué un peu plus de 3 essais par match, en moyenne. 19 en tout, c'est aussi l'équipe qui a inscrit le plus d'essais des deux poules confondues. Le lancer pour William Servat. Fond de touche Brennan qui dévie. Sur Colazo, difficilement. Petit en avant. Petit en avant avec une reprise devant, mais bon, qui était involontaire puisque les deux joueurs étaient dans le mouvement. Il n'y avait aucune gêne puisqu'il n'y avait pas d'agenais. Donc mêlée pour Mathieu Barraud. Qui était junior au stade toulousain. Il y a pas mal d'anciens toulousains dans les rangs agenais. Ballon gardé dans les pieds par Labrousse. Barreau pour François Gélès. Dans ses 22 mètres. C'est sur Poitrenaud. Clément Poitrenaud, Jean-Nel. Oh, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Et nouvel arrêt de volée de l'arrière d'Agen, Pepito Elorga. Là, il a tous les joueurs agenais devant, donc il va attendre un peu et se dégager directement en touche. Il en a le droit. Pour varier un petit peu aussi, hein. Attention de ne pas non plus se précipiter. Par contre, il ne trouve pas la touche. Et c'est un ballon de relance pour les Toulousains, avec Poitrenaud qui a croisé avec Christian Labitte, casqué et ganté pour ce match sur terrain glissant. Elissal, la puissance physique de Trevor Brennan. Michalak à suivre sur l'aile des Milets. Tamak, c'est bien mal joué. Tamak à la lutte, à course avec Saramé. Le ballon sort en touche à 5 mètres de l'embut à genêt. Il y a 2-3 carrels là de fortonnage. Hein. D'expérience aussi, surtout pour Émile Tamak, qui a trouvé son position un petit peu là où il a brillé avec le 15 de France. Regardez les Toulousains qui doivent jouer aussi au pied par-dessus. Et il y a toujours un peu de danger dans ce jeu au pied parce que les défenses sont toujours très bien organisées en ligne et donc il faut trouver des espaces derrière. Nouveau lancé pour Jean-Baptiste Ruet. La brousse lâche le ballon, a pu le capter. Ça va donner une bonne mêlée au stade toulousain. Le stade toulousain, c'est qu'il y a que 100 km entre Toulouse et Agen. Mais pour la première fois, les Toulousains sont arrivés en bus ce matin. Pour la première fois, ils ne sont pas partis la veille. C'était une manière pour les entraîneurs d'enlever un peu de pression à leurs joueurs. Il n'y a pas eu non plus de mise au vert côté Agenais. L'introduction de Jean-Baptiste Elissalde, mais on a poussé avant l'introduction. Je vais appeler ce match un match pas prioritaire avec un petit sourire en coin car on connaît les intentions toulousaines. Ils veulent gagner ici bien évidemment. Grosse poussée, départ de Christian Labitte, plaqué par Barraud. Brennan maintenant va essayer d'y aller. Stoppé à peine à 2 mètres. Hein. Le ballon est toujours pour les Toulousains. Elissal vers Michalak. Michalak, mauvaise passe, attention à l'interception. Non, et pénalité pour Toulouse. Voilà des Agenais qui avaient un peu trop anticipé défensivement suite au départ de la troisième ligne. Pas d'explication à Jean-Jacques Rinca, oui, Philippe. Oui, vous avez entendu. À la plaquée, go away. C'est un franglais quand même. Hein. Il parle quelques mots de français. Ouais. Monsieur Dixon, qui est le numéro 1 des arbitres écossais, qui a déjà arbitré des matchs du tournoi destination, notamment Irlande-Italie l'an dernier, et qui officie régulièrement en Coupe d'Europe depuis le début de cette compétition européenne. C'est dans le cadre d'échanges réguliers entre arbitres français et écossais. En fait, la faute, c'était le plaqueur Jean-Jacques Rinca, hein, qui devait vite partir après le plaquage et ne pas rester sur le point de plaquage. Jean-Baptiste Elissalde, l'occasion d'égaliser pour le buteur toulousain. C'est fait. Agen 3, Toulouse 3. Eric ? Oui. Oui, avec Guinoves, une première question. Un sentiment après ces 20 premières minutes. Mais le match qu'on attendait, très, très dur, avec un ballon glissant donc, qui ne va pas favoriser les grandes envolées, donc qui va favoriser le combat, on le voit. Deux équipes en place qui défendent âprement le mètre carré.
Donc je crois que les deux équipes sont dans le match. J'espère que bon, mais ça va donner du spectacle malgré tout. Merci Guy. Oui. On va vous dire ça très précisément. 12 minutes. Michalak réexpédie le ballon dans le camp à Genet et trouve une touche au-delà des 50 mètres. Le temps passe plus vite sur le bord du terrain. Voilà, on revoit la troisième ligne là. C'est Brennan qui était allé plaquer. Enfin, qui était allé foncer. C'est Philippe Benetton finalement. Hein. Le monsieur l'arbitre avait dit Jean-Jacques Renka à la faute. Mais c'est difficile aussi, il faut dire, hein, de repartir quand il y a beaucoup de monde autour du ballon. Bonne prise de balle de Labrousse. Pour l'instant, les équipes gagnent leur lancée. Progression dans le sillage de Rué. Balle au sol pour Barreau. Gélès lance à l'attaque avec Bouic. Bouic et Lorga maintenant. Et Lorga qui a mis le ballon en route. Pas d'en avant. Si. À ce problème, il le disait là, hein, Guy Noves, problème de ballon un peu glissant. Et donc derrière, des offensives bon, qui avortent un petit peu parce qu'on l'avait vu tout à l'heure avec Guillaume Bouic, là, avec Pipito et Lorga. Des joueurs fin techniciens qui ont du mal un peu à lutter contre les ballons glissants, ouais, hein, les mitaines que l'on a vu. J'aimerais bien savoir si c'est très très efficace là. C'est apparemment de plus en plus de joueurs commencent à emporter. Pénalité contre le Stade Toulousain après cette mêlée. Montré du doigt. Cross. Straight. Le okay. You're driving across on the hooker. Benoît Lecouls, qui est un pur Agenais et qui a choisi l'an dernier d'aller tenter sa chance à Toulouse. C'est lui qui s'est fait pénaliser. Ah, il est en face un client et puis c'est un peu le maître et l'élève. Mais bon, à un moment donné, l'élève peut dépasser le maître. Mais bon, Jean-Jacques Renka actuellement est vraiment très très fort. Une stat avec François Duboisset. Ouais, on parlait tout à l'heure justement des en avant du ballon glissant. Mais regardez, trois partout déjà, ça fait moins d'un quart d'heure qu'on joue. C'est relativement, bien sûr, élevé, même s'il y a des mitaines donc pour aider la prise de balle. C'est aussi le score pour l'instant jusqu'à cette pénalité que tente François Gélès avec les encouragements des supporters à Genève. Coup de pied qui passe et cela fait 6 à 3 pour Agen. François Gélès, élu meilleur joueur du championnat par ses pairs, par les joueurs eux-mêmes, avec le syndicat Proval de Serge Simon. Serge Betsen était le meilleur international, François Gélès le meilleur joueur du championnat et Julien Peyrelongue, le demi d'ouverture de Biarritz, le meilleur espoir. Eric. Oui, un petit mot cette fois-ci avec Christophe Delot rapidement. Christophe, on a l'impression qu'il y a un round d'observation devant, mais en même temps le ballon humide empêche beaucoup d'attaques. Oui, je crois que les deux équipes essayent de prendre l'ascendant d'un point de vue physique, nous un peu plus collectivement, un peu plus sur le défi individuel. Mais match assez équilibré pour l'instant, il faut attendre, on verra l'équipe qui va lâcher le premier. Mais voilà, je crois que la mêlée, on est en train de prendre le dessus. Malheureusement, l'arbitre ne les sanctionne pas, bizarrement. Attention à cette chandelle. Pepito et Lorga, arrêt de voler. Et il joue aussi vite pour lui-même. Pepito et Lorga, Gélès, gêné par Entamac. Le ballon est pour Corro. Aïe, 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 encore un petit ballon qui tombe. Ça, c'est le problème, en fait, des petites pluies de la nuit. Et donc, un peu d'humidité là. Et... On a vu une grosse poussée à Genève sur la dernière mêlée. C'est vrai que Agen prend le dessus sur la mêlée toulousaine. Alors ça peut être une clé, mais là il n'y a pas eu de mêlée importante près des lignes encore, sauf défensive pour Agen. Alors connaît mais la ça peut aussi sur les jambes y faire. La réputation de la mêlée à Genève et cette première ligne, Krenka, Rué, Hassan. On dirait qu'en face, c'est pas mal non plus. Là, la mêlée est stable. Elissal pour ouvrir sur Michalak. Michalak croise avec Desbrosses, plaqué par Barreau. Mêlée ouverte toulousaine dans les 22 mètres d'Agère. Ah, le ballon qui a du mal à sortir. Michalak en position de drop. Il le tente. Il le tente et il le passe. Égalisation, Frédéric Michalak. Le premier drop du match. Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire. Là. Le ballon tardait, il ne pouvait pas sortir vraiment. Regardez, d'une passe acrobatique, je ne sais pas si c'est pas même Christian Labitte qui a fait cette passe-là. Donner le ballon dans l'axe pour Frédéric Michalak. Et là, il a eu un peu de temps quand même pour armer ce drop. Petit avantage maintenant
Attention à l'avantage psychologique aussi à un moment donné. Bon, pour l'instant, hein, c'est vraiment un équilibre parfait. C'est équilibré, c'est le mot qu'a utilisé Christophe Dello. Équilibre et égalité au score avec la charge de Christian Labitte. Hey, hey. Elissalde, Michalak. Oh, Michalak a hésité à tenter. Du coup, il a embarqué Hassan et retrouve ses avants avec William Servat. Elissalde, Brennan, Michalak. Ouh, pour être non bloqué par le plaquage de Gélès. Et les ballons récupérés hors jeu par la Bosse. Oh, là, Monsieur Dixon signale des hors jeu dans ce mouvement. Alors qu'on voit qu'il y a un gros combat là entre les deux packs, et c'est vrai que les conditions font que dans cette ère de phase finale, eh bien, on risque de ne pas avoir trop d'attaques en première main, surtout avec les premiers en avant. Le kiné de Toulouse au chevet de Clément Poitrenou qui est caché là-bas derrière à cette côté. Ce score de parité 6-6, on approche de 20 minutes et vous voyez que le stade Armandie est vraiment bien garni pour ce sommet du championnat. On voit la belle passe assise de Christian Labitte pour le drop de Frédéric Michalak. Retour sur l'alignement, le lancer est pour William Servat, le talonneur toulousain. Oh, bien jugé avec Fabien Pelouse qui charge, qui retrouve Servat. Voilà comment les Toulousains viennent de gagner 20 mètres. Mêlée ouverte, où est le ballon? Il est offert à Pelouse. Pelouse pour Labitte. Elissalde, Michalak. Dans le dos de la défense, mais directement sur Petitot et Lorga qui réexpédie le ballon loin parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne. Le coup de pied sera-t-il trop long? La réponse est oui. Et cela va nous donner une mêlée à l'endroit où Pepito et Lorga a tapé, c'est la règle. Ouais, vous avez vu le ballon fuser à l'arrivée, mais alors 60 mètres plus loin, 65 mètres plus loin, il a tapé ce coup de pied. Il ne pensait certainement pas qu'il allait aller jusque là-bas, derrière la ligne du ballon mort. Pepito et Lorga, il avait vu qu'il n'y avait pas de joueur derrière, donc comment faire pour revenir vite dans le cas adverse, remettre tous ses équipiers dans le sens de la marche, c'était la solution, mais ce coup de pied était trop long. L'introduction est donc toulousaine. Jean-Baptiste Elissalde. Ouh, poussée d'Agère qui relève la première ligne toulousaine, mais l'arbitre allait se jouer avec Desbrosse. Gélès a tapé dans le ballon. Elissalde le premier. Aimant s'est fait mal. Vous l'avez vu tomber et se tenir la cheville. Le ballon est récupéré par les Agenais qui vont bénéficier d'une pénalité. Oui, on voit, c'est avec Aimant là. Je sais pas, il a pris un coup, je ne sais pas comment il a fait ça. Et Mans qui n'a pas été épargné par les pépins physiques au cours de sa jeune carrière. On se souvient d'une blessure au genou qu'il a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un an. Alors espérons que ce ne sera pas grave pour lui, puisque bien évidemment, il y a les échéances internationales. On va revoir, il a peut-être un coup involontaire de Guillaume Bouic à la course avec lui, qui s'excuse. Il s'excuse immédiatement. Regardez. On rappelle, hein, Philippe, que l'équipe de France, le groupe pour les trois tests sera annoncé mercredi par Bernard Laporte et Joe Mazo. Xavier Garbajosa était déjà en train de s'échauffer. Ce sera Linas Marcoussi pour la venue des Springboks, des All Blacks et des Canadiens. François? Oui, tout à l'heure, les Agenais cherchaient à aller dans le camp des Toulousains, mais plus que jamais, puisqu'ils sont dominés dans l'occupation. Regardez, 69% depuis le début de la rencontre. Donc les Toulousains dominent, mais aussi la possession. Alors que tout à l'heure, c'était un petit peu Agen qui avait le devant, mais maintenant, bien, les Toulousains sont véritablement installés dans la rencontre. Alors, Aimance reprend sa place, bonne nouvelle. Et Mathieu Barrault, qui était touché aussi, peut lui aussi se relever sans dommage. Alors, il y a une pénalité donc, pour un ballon gardé au sol. Et c'est François Gélès qui, des 48 mètres environ, va la tenter. François Gélès. Exactement 48 mètres. Je ne compte pas, hein. On sait qu'il y a un débat actuellement, hein, sur qui sera le numéro 10 de l'équipe de France pour les tests. Gérald Merceron est en pole position, c'est lui le titulaire du poste, mais Gélès et pourquoi pas Michalak poussent fort derrière. Et oui, Merceron qui ne sera pas titulaire ce soir avec Montferrand à Grenoble. Ce qui ne l'empêchera pas forcément d'être le préféré de Bernard Laporte, alors que Gélès réussit
Ce magnifique coup de pied, 9-6. François Gélès avec Christophe Lamaison, c'est lui qui avait meublé le score de la demi-finale. Les Toulousains avaient marqué 2 essais, pas les Agenais, mais ils s'étaient imposés. Oui, on voit là du 100% pour François Gélès. Et c'est vrai que pour le 15 de France, être bon buteur, c'est aussi un avantage. Michel Hack. Ballon capté par Samuel Mouchi, le numéro 4 Agenais, venu de Biarritz à l'intersaison. Alors que Cousinet, lui, faisait le chemin inverse. Bon mol Agenais. Allez, il faut éjecter ou alors continuer à avancer. C'est voilà, fait avec Récard et Benetton. Barreau poursuit côté fermé avec Gélès, qui retrouve Corot intérieur. Corot rué maintenant, repris par Remans. Et l'embolé. Et on continue dans l'axe avec la charge d'Omar Hassan. Nouveau temps de jeu à Genève avec Labitte qui se débarrasse de son casque. Et Corot qui passe les bras pour Barreau. Faisait chaud sous le casque de Christian Labitte. Le ballon est là pour François Gélès en position de demi-mêlée. Coup de pied dans la boîte qui sprint. Corot, attention dessous. Poitrenaud relâche le ballon. Et ce sera finalement une touche ou un en avant. Un en avant. Mêlée à Genève dans les 22 mètres de Toulouse. Bonne séquence des Agenais. Oui, très bonne séquence dans l'axe profond. Évidemment, ils essaient d'un côté comme de l'autre. Mais là, c'est avantage pour les Agenais avec Jean-Baptiste Ruet. Jouer sur une passe uniquement et avancer, avancer le plus rapidement possible. Faire souffrir les défenses. Sur cette mêlée, on va pouvoir juger de la poussée agenaise probablement. Non, elle est instable. Première difficulté pour M. Dixon. Elle est importante cette mêlée pour les Agenais face à 8 Toulousains qui vont se mettre tous bien sûr en position de pousser. C'est un départ de la brousse derrière la mêlée appuyé par Mathieu Lièvremont. Continue à progresser sur 4-5 mètres. Et libération du ballon maintenant pour Barreau. Non, on va continuer au ras avec Hassan qui était arrêté, qui a reçu la meute toulousaine Brennan et Pelouse. Barreau. Oui, Brennan est arrivé de, comme une fusée là. Ouh là, 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 il y a du hors-jeu dans l'air. L'embolé pénalisé. Offre une nouvelle occasion à François Gélès de marquer 3 points. Grégory L'embolé, international, moins de 21 ans. Capitaine aussi de l'équipe de France de moins de 21 ans. Et grand espoir à ce poste, qui est encore jeune. Il a débuté en Coupe d'Europe à Newport la semaine dernière. Et il joue troisième ligne ou deuxième ligne. C'est un joueur assez complet, dont on dit le plus grand bien. Le public d'Armandie réclame 3 points supplémentaires. François Gélès s'y prépare. Donc on revoit là ce regroupement. En fait, il était positionné au départ un peu trop avancé. L'autre buteur qui partageait la tâche avec François Gélès la saison dernière est parti à Bayonne, Christophe Lamaison. Il fait les beaux jours de Bayonne d'ailleurs. Voilà, on a parlé de Cousinet parti à Biarritz. Porcu est allé à Perpignan ainsi que Manas. Voilà pour les principaux départs. Mais Gélès, Elorga, Krenka, les internationaux très sollicités sont restés à Agen. Et ça, bien évidemment, c'est important pour l'avenir du club et pour sa compétitivité. Il le prouve en ce début de saison. 9-6 pour les Agenais. Et 12-6 après cette quatrième pénalité réussie par François Gélès. Alors, je ne sais pas si Guinoves sera écouté, mais il n'arrête pas depuis 5 minutes de demander à Jean-Baptiste Elissalde de taper les renvois en lieu et place de Fred Michalak. Quoi. Ah, c'est essayer. Eh bien, c'est ce qui se passe. De les mettre encore plus haut. Le résultat est un ballon dans les bras. C'est un peu trop long. De Parent, le deuxième ligne. À Genet, au milieu de Mont-de-Marsan, et François Gélès et Pépito Lorga, pardon, expédient le ballon dans le camp avec Toulousain, avec Poitrenaud. Poitrenaud à la relance. Poitrenaud plaqué par Krenka. Ouais, il a essayé, mais il y avait du monde, il y avait une barrière. Elissal. C'est Christian Labitte qui charge là. Il n'a plus ses cheveux blonds. Fino Maca maintenant. Son frère Isitolo est sur le banc des remplaçants. Elissal pour un renversement, Michalak sauté pour Josion, Yannick Josion essaye de passer en puissance, il est bloqué. Ils arrivent à avancer petit à petit les Toulousains, mais la défense est toujours bien organisée. Michalak et Elissal ont permuté, coup de pied de Jean-Baptiste Elissal dans le dos de Saraméa.
qui va pouvoir se saisir tranquillement du ballon car Emile Tamak n'est pas monté. Et dégagement de Saraméa. Elissal l'en reprenit à Cromatique. Oui, Monsieur Dixon l'a vu et sanctionne le demi-mêlé toulousain. Mêlé à Genèse. Il s'était bien retourné là, Jean-Baptiste Elissalde, pour récupérer le ballon. Mais il a envoyé le ballon vers le calvaire. Vous allez le voir, il s'est bien retourné. Regardez, hop. Mais sur la prise de balle, le ballon est allé vers la ligne de but adverse. Donc il y a un en avant, effectivement. Et puis alors, s'il y a vraiment une erreur tactique, c'est de ne pas laisser le ballon du côté de Olivier Saraméa, parce que c'est là avec un coup de pompe énorme, c'est quand même le mammouth. Hein. Christian Labitte touché. C'est pas un coup de pied de citron qu'il a. Christian Labitte qui a abandonné les cheveux blonds, c'était probablement pour ne pas se faire repérer par les palombes, puisque vous savez que c'est un chasseur et que c'est la saison. Et le casque devait être difficile à supporter, mais non, il en remet un autre. Il devait être abîmé, il devait être déchiré. Donc le revoici casqué, Christian Labitte. L'introduction, Mathieu Barrault, 12 à 6 pour Agen. Il n'était pas prêt, les Toulousains. Attendre. Stand up. Debout, debout. Straight. There. Engage. Ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés. Le crack toulousain souffre. Benoît Lecouls, désigné par M. Dixon. Nouvelle pénalité pour les Agenais. Il lui reproche de se relever. On a vu le signe là. Fabien Pelous a demandé des explications. Pas tout à fait d'accord avec la décision arbitrale. Ben, et si on pouvait la revoir au ralenti, c'est vrai que moi j'étais juste à côté, j'ai regardé. C'est vrai que c'est sur l'impact en fait qui s'est passé cette chose là. On le revoit là au ralenti. C'est pas volontaire de la part de Benoît Lecouls, je pense même. Non, c'était pas une mêlée très académique de la part des deux, camps. Oui. Des deux camps. Mais ils sont peut-être pas trop habitués aussi dans le rugby anglo-saxon. Ça bataille moins, disons, sur les premières lignes, sur les mêlées. Pas dire qu'ils n'ont pas de mêlée forte, mais ça bataille pas de la même manière. En France, bon, on aime beaucoup travailler la mêlée. On parle souvent du French flair. Mais c'est vrai que les phases de conquête, la mêlée notamment, c'est un élément important du jeu. Et les clubs, les entraîneurs le savent. Et les joueurs, eux, essaient de gagner le duel à chaque fois. 100% de réussite pour l'instant pour François Gélès, le buteur à Genève. C'est parti. Bien haut, bien droit. Et 3 points de plus. Agen 15, Toulouse 6. C'est la grande joie dans les tribunes d'Armandie. Le SUA fait la course en tête. Et oui, quand on ne peut pas trop jouer deux ballons avec les trois quarts, quand il n'y a pas trop d'essais, évidemment, s'il y a des occasions à mettre, mais il faut le faire, évidemment, pour prendre le large. Et là, du 100% pour François Gélès. Hein. Changement complet de tactique pour le renvoi toulousain Elissalde. C'était un ballon presque rasant. Et les buteurs agenais ont renvoyé les Toulousains quasiment sur la ligne médiane. Soleil d'un des plus fidèles supporters à Genève, Francis Cabrel, qui aime aussi beaucoup le foot et qui va se précipiter chez lui après pour regarder sur Canal PSG OM, évidemment. Sûr. Je crois qu'il est supporter du PSG. Ah, mais il voulait pas manquer ce match juste avant, bien sûr, être dans l'ambiance. En avant. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a le meilleur du rugby, le meilleur du foot. Donc, on est bien devant sa télé, même si là, c'est pratique à Agen et il est chez lui. Il ratera rien. Introduction Mathieu Barrault. À la demi-heure de jeu, 9 points d'avance pour Agen, pour les finalistes du dernier championnat. Avec le coup de Thierry Labrousse, qui va sortir en touche et mince à accompagner ce ballon. François, le point sur les mêlées, justement, on en parlait tout à l'heure, on sent la force à Genèse et la pression à Genèse, mais regardez pourtant, les Toulousains résistent bien, chaque équipe a perdu un ballon, même si les Toulousains ont été pénalisés deux fois contre une seule fois simplement pour les Agenais. Lancé délicat pour William Servat sur ses 22 mètres. Il faut s'appliquer, il faut gagner ce ballon. Ah ben voilà, c'est fait, oui. À 5 mètres pile avec Pelouse. Mais on a perdu ensuite. Ballon récupéré par les Agenais. Et Barreau peut lancer Gélès. Stolz maintenant, Stolz pour Bouic. Bouic, Saraméa lancé. Saraméa échappe, lâché le ballon.
Et un en avant signalé par monsieur l'arbitre alors que Stott plongé. Ballon très glissant, on vous l'a dit et répété, il a pris toute la nuit sur Agen. Dommage pour cette belle offensive. Oui, dommage. Bon, ça va moins vite que d'habitude parce qu'il faut pouvoir maîtriser ce ballon là qui est un peu glissant. Mais on avait vu, voilà, il s'arrache un petit peu les cheveux là, Christophe Delo. Mais on a vu les Agenais bien se passer le ballon. Une prise d'intervalle d'Olivier Saraméa. Malheureusement, ce ballon a glissé encore une fois. Introduction d'Elissalde. Grosse poussée d'Agen encore. Christian Labitte stoppé par Mathieu Lièvremont. Il est costaud, hein, Christian Labitte. Pour Michalak. Et Michalak dévisse son coup de pied. Il trouve une petite touche qui va me laisser juste le temps de vous rappeler que vous pouvez voter pour l'homme du match avec le SMS 610-44. Hein, vous connaissez le système. HDMA pour un Agenais, HDMB avec le numéro du joueur pour un Toulousain. Vous pouvez aussi décider de la note du match par votre SMS aussi. Et sur canalplus.fr, notre site internet, poser des questions aux commentateurs, aux consultants, à Philippe et aux joueurs. N'hésitez pas. Lancez Jean-Baptiste Ruet. Et ils ont été lobés, les sauteurs. Allez, on récupère quand même avec Parent. Point molle dans les 22 mètres. Toulousain, Barreau vient de parler à Gélès. Ils ont attaqué les petits pas, en fait il faut que ça avance en permanence. Ça progresse avec la brousse, mis au sol maintenant, et Barreau peut lancer Gélès. Gélès, mésentente, oui. Ceinturé par Maca. La petite hésitation leur a fait perdre du terrain. Et récupération du ballon toulousaine. Michalak pour un contre, sauté pour Josion. Josion Bouic avec Desbrosses maintenant. Desbrosses passe directement sur Hassan. Récupération à Genèse, c'est pas terminé, cette longue action peut faire des dégâts avec Barreau là-bas sur le côté fermé, Corot qui croise avec Stolz. Le ballon va ressortir à nouveau. Toujours à Genèse, peut-être un coup de pied dans la boîte de Barreau, non, essaye d'y aller, il est pris. Les défenses tiennent bon, alors que Desbrosses et Stolz neutralisent le drop. Le drop de Genès bien haut et entre les perches. Festival François Genès. 18-6 pour Agen. Il marque des points. Il marque des points pour la rencontre. Aussi pour sa vision vers la Coupe du Monde. Évidemment. Ah mais c'est intéressant pour l'équipe de France aussi tout ça. Hein. François Gélès d'un côté là qui fait un sans faute. Derrière bon, avec Gérald Merceron. Et puis les autres bien sûr aussi. Un beau duel à la distance. Philippe Guillard nous appelle. Oui parce que je crois qu'il y a un blessé. J'ai profité de ce temps mort avec Guy Novaski. J'ai l'impression qu'ils vous prennent devant quand même. Hein. Je te vois sourire Guy, mais c'est vrai que. Ils vous prennent devant quoi. Et quelle est la solution qu'on peut avoir contre une équipe qui prend devant l'ascendant comme ça? Mais je crois remettre les idées en place dans la mesure où on ne saute plus en conquête, en touche, on est complètement gêné. On est pénalisé systématiquement en mêlée sur Grenka en pénalisant notre pilier droit alors que Grenka lui aussi est fautif puisque c'est lui qui monte systématiquement. Donc je crois se remettre les idées en place à la mi-temps et essayer d'éviter de prendre des points de plus puisqu'on n'a que 12 points de retard. Il suffit de marquer un essai et revenir dans le match. De manière à peut-être avoir une chance à la seconde du mi-temps. Merci Guy. Tiens, une explication peut-être au problème des Toulousains en touche. Leur infirmerie, Agen d'abord, Bertrand, le troisième ligne, Gironella, l'ailier. Et côté Toulousain, David Gérard, le sauteur qui est touché aux côtes, mais aussi Jean Bouillou, grand preneur de balles en touche, blessé. Benoît Babi, le trois quarts centre. Et Cédric Soulette, qui lui va être opéré ce week-end d'un kyste mal placé. On revoit l'action, l'offensive toulousaine avec Josion. Josion qui va percuter, qui arrive à donner quand même le ballon. Derrière, il y a ballon perdu pour les Toulousains. Et là, Guillaume Bouic vient au plaquage. Mais bon, il reçoit quand même un bon coup. Hein. Il est costaud aussi, Yannick Josion, c'est vrai. Et il a récupéré. Il a récupéré. Voilà, il a pris un beau tampon sur la percussion de Josion. Ah, c'est pas les mêmes gabarits. 18-6 pour Agen et Michalak pour ce coup de pied de renvoi. Récupération à Genèse, Benetton, Hassan, Rué, ou Krenka plutôt, charge de Jeannot Krenka, le pilier gauche d'Agen et de l'équipe de France. Gélès intérieur, c'est bien joué pour Parent. Ouais. Parent avec un relais de Rué. Reperdu le ballon. Et ballon glissard en avant. Ah dommage, on aurait aimé un temps sec et ensoleillé, c'est pas le cas.
Parce qu'on ne peut pas en vouloir aux joueurs de commettre ces fautes de main. Oui, il y a de la volonté offensive. On le voit là, bon, ce n'est pas les grandes passes comme on peut voir par temps sec. Ça joue beaucoup dans les intervalles, ça joue bien par moment, même très bien. Seulement, il y a toujours une petite faute par ce ballon glissant. On rappelle que par tradition, le rugby est un sport qui se pratique l'hiver, ouais. Malheureusement, pour les conditions. Mais pour un ancien rugbyman, je préfère jouer quand même avec le grand soleil. On le comprend. Tiens, Krenka au sol. Bon. Hein. Krenka blessé, oui, Krenka sur blessé, sa percussion. Ok. Sur la mêlée. Sur la mêlée après, ouais. Mm-hmm. Le pilier gauche de l'équipe de France, Bernard Laporte regarde ce match. Bernard Laporte, Jomazo vont aller en Angleterre hein, ce week-end, voir le match des Saracens où évolue Thomas Castagnier, Christian Califano, Abdelatif Benazi. Face à Leicester, ça n'a pas l'air sérieux. On fait un point stat rapide avec François. Sur les ballons de récupération, on a dit tout à l'heure, il y avait, c'est vrai, beaucoup d'en avant, mais ce qu'on peut quand même noter, c'est la très bonne conservation du ballon des deux équipes. Regardez, seulement 4 ballons récupérés pour Agen et 3 pour Toulouse, c'est pas beaucoup. Ouais. Et Christian Labitzer, Elissal sur le côté fermé, Elissal avec Poitronneau. Poitronneau croise avec Émile Tamac, percussion et perte du ballon, récupération à Genèse. Avec Mathieu Lièvremont qui a failli terminer dans les balustrades. François Gélès qui a failli se faire mal là, parce qu'il a, oui, il a anticipé, hein, oui. On le voit un petit peu là, à genoux. Il a vu qu'il allait avoir une croisée, il a retardé sa course parce qu'il s'était avancé sur le porteur du ballon. Il a réussi à prendre le réceptionneur, vous allez voir là. Hop, et il revient un petit peu, mais bon, c'est Emile Tamac en face hein, qui fait pas loin de 5 kilos, c'est costaud aussi. Pas de soucis pour les sélectionneurs nationaux. Gélès reprend sa place aussi. On a quand même une fâcheuse tendance à pousser avant l'introduction des deux côtés. Bien joué Labrousse. C'est bien fait. Pour Saranéa qui arrive à lancer. Labitte a réussi à le mettre au sol. Le ballon ressort vite pour Labrousse. Avec Mouchi. Récupération toulousaine, ça peut être dangereux. Mais non, il ne profite pas du ballon. Et Monsieur Dixon siffle à 2 minutes de la fin de cette première période. 18 à 6. C'est bon, les gestes, hein. De Christophe ouais, Delo. Beaucoup de gestes, mais on comprend ce qu'il dit. Hein. Il dit quand vous arrivez à un moment donné, hein, au contact, hein, protégez-le ce ballon, retournez-vous. Il y aura toujours un soutien derrière pour faire une passe. Et c'est vrai que bon, ils sont ambitieux hein, quand même, les Agenais là dans le jeu, mais après quelques passes ce ballon tombe. Ils arrivent à imprégner du rythme malgré tout. Toulouse n'est pas débordé hein, ils se reprennent toujours défensivement et on a un jeu là, entre les 30 et 30 assez intéressant. Elissal de Michalak joue au pied pour aller chez l'adversaire un petit peu. Coro à pouvoir s'appuyer sur Pepito et Lorga, il va essayer de relancer. Attention avec Buick et Lorga maintenant. Et Lorga donne à Stolz. Buick. Barreau. Barreau passe lobé pour Pepito et Lorga. On se passe le ballon et petit en avant malheureusement. Pour une passe qui était effectivement difficile à récupérer, elle était basse. C'est un peu la même chose que de l'autre côté du terrain en fait. Il y a des gros plaquages qui empêchent de maîtriser le ballon par moment. Mais il y a 3-4 passes et un ballon qui est échappé par la suite. Alors, qu'a chuchoté Jean-Baptiste Elissal à Michelac. Les Toulousains en l'introduction. Peut-être une grosse chandelle. Ouais, parce que je vois pas trop. C'est compliqué, hein, mais les sont rarement propres, c'est-à-dire où elles s'effondrent, où elles tournent, où ça pousse avant l'introduction. Monsieur Dixon a un peu de mal. Ah, c'est son baptême du feu, peut-être. D'arbitrer les mêlées françaises. Ouais. D'ailleurs, deux clubs français. Il faut reconnaître, c'est jamais facile d'arbitrer ces mêlées où personne ne veut céder, évidemment. Vous avez vu, si on écoute les entraîneurs, ils ont évidemment chacun leur version sur le fautif. Il va revenir en Écosse, il va dire j'étais chez les Gaulois, là, Astérix, c'est toute la bande. Là, c'est les irréductibles. Enfin, il a changé de côté quand même pour voir ce qui se passe là-bas. Oh, et bien ballon chippé par Mathieu Barreau dans les pieds de la bite. Accroché par Elissal, il a trouvé le soutien de Mathieu Lièvremont qui arrive près des 22 mètres et Barreau peut écarter avec un avant de Coro. Encore une fois, Poitrenaud. Monsieur Dixon va revenir à la Navarre. Ouais. C'est tellement difficile, quel dommage hein, de développer du jeu dans ces conditions. On voit ce ballon là qui sort. Hein. Et c'est Mathieu Barreau, il filou, il est allé le chercher, il était derrière les pieds du troisième centre, donc il avait le droit, il avait progressé ce ballon, et derrière on voit Christophe Coro qui ne peut pas le garder entre les mains, il râle, mais bon, les conditions sont un peu difficiles, on ne répétera jamais assez, mais c'est bien de voir quand même des joueurs qui ont envie de se faire des passes, de trouver des intervalles,
On est habitué depuis le début de la saison sur les matchs télévisés, les essais c'est toujours en deuxième période. Alors c'est on va rester optimiste. C'est vrai. On est rentré dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Coup franc en faveur des Toulousains, que Jean-Baptiste Elissalde de joue vite pour Christian Labitte qui a de nouveau enlevé le casque. Finou Makar. Elissalde Michalak. Peut-être par-dessus. Par-dessus la défense. Saramela devrait être le premier, il est piégé par le rebond. Michalak récupère. Michalak avec maintenant Josio. Josio extérieur. Emile Tamak à position de débordement. Emile Tamak allonge sa filet. Toujours. Il n'est pas repris par Stott qui tape à suivre pour lui-même. C'est bien joué. À la lutte, Josio plonge. Non, essai de pénalité. Essai de pénalité. Essai de pénalité pour le Stade Toulousain. On va voir au ralenti, mais il y a un Agené qui a empêché Emile Tamak d'aller aplatir. Guillaume Bouic, il était à l'épaule avec Emile Tamak. Mais il y avait. Il y avait un autre Toulousain, hein, Yannick Josio, ouais, qui était derrière pour essayer de le récupérer. Voilà, Guillaume Bouic sermonné par monsieur l'arbitre. Essai de pénalité, le premier essai du match à la voir. Dans les arrêts de jeu, parti de ce coup de pied sûr de Michalak. Voilà, avec ballon récupéré à nouveau par Michalak. Josio pour Emile Tamak, qui a toujours des jambes, on le voit. Il n'y a plus personne derrière. Et là, il y a un combat entre les deux joueurs, ouais. Tamak et Guillaume Bouic. Qui semble à la régulière sur le premier ralenti. Ouais. Et François Gélès est en train de remotiver ses troupes car cet essai change tout. Les Toulousains vont se rapprocher au score avec la transformation de Jean-Baptiste Elissalde. Le score n'est plus que de 18 à 13 alors c'est que c'est la mi-temps. Fin de cette première mi-temps. Période. Oui, Ah, il le retient par le bras. Ouais, il le retient par le bras. J'avais parlé du premier ralenti. Le deuxième ralenti de Laurent Dom est beaucoup plus par là. Parce qu'ils sont allés pour au départ. Ouais, et pour il n'y avait rien. Ouais, rapidement quand même avec Jean-Baptiste Elissalde. Jean-Baptiste. Bon, c'est, enfin, c'est pas un miracle cet essai, mais ça va vous faire du bien parce que première mi-temps quand même assez délicate pour vous. Hein. Ouais, je crois qu'on s'en sort pas. On est pris sur notre conquête. Hein. Que ce soit en touche ou en mêlée, on est chahuté. À partir de là, on a du mal à occuper le terrain, donc notre jeu au pied est mauvais. On n'est pas dans leur terrain et la moindre faute, c'est 3 points. On a un bon buteur en face. Je crois que ça va nous remettre dans le bain cet essai. Au moins, ça va nous donner un peu de morale pour la seconde mi-temps. Il faut qu'on occupe le terrain et qu'on joue comme eux. Ça va nous faire le jeu tranquillement chez eux. Merci Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Elissalde, on laisse les équipes rentrer au vestiaire et on va demander à l'autre réalisateur Laurent Dom de nous repasser le ralenti de cet essai, unique essai de la première période, inscrit dans les arrêts de jeu, un essai de pénalité qui pouvait paraître sévère au premier ralenti, mais qui s'est avéré parfaitement justifié sur le deuxième. On y va. Et ça part de très très loin, des 22 adverses, et là on voit Emile Tamak qui va taper un petit coup de pied parce qu'il n'y a plus personne au bout, et là il y a un contre un en fait, il y a deux, comme on le voit à l'arrière, il n'y a pas de problème, on va dire il y a juste une obstruction qui n'est pas volontaire, mais sur le deuxième ralenti, on voit Guillaume Bouic avec Emile Tamak et Guillaume Bouic qui retient Emile Tamak par le bras alors que Yannick Josion avait marqué quand même juste derrière. Voilà pour cette fin de première période. Oui, oui, à l'occasion, on pourra remonter un peu sur ce ralenti pour savoir s'il n'y a pas un léger en avant quand je crois Milou reprend la balle. On analysera ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va repartir trouver Philippe à Paris. Hein, Philippe, donc le score 18 à 13 à la mi-temps. Pour l'instant, c'est le vice-champion de France 2002, Agen, qui mène contre le champion de France 2001, le Stade Toulousain. Eh bien, à tout de suite, à très vite. Le suspense reste entier pour la deuxième période. Dans quelques instants, nous on va une première fois de l'après-midi en direct au Parc des Princes. Le Parc des Princes, bien sûr, avant Paris Saint-Germain à OM. Le coup d'envoi, c'est 17h15, mais on y va dans quelques instants. Le temps pour moi de vous montrer une image et de vous rappeler, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, vous allez découvrir cette image et cette information à propos du quintet disputé à Auteuil. L'arrivée, elle est officielle désormais. Le 16, le 18, le 2, le 8 et le 3. Il y a eu tout à l'heure une chute spectaculaire. Tout le monde, finalement, est sain et sauf. Les jockeys et chevaux. L'arrivée, 16, et Jude. 18, Brown Jack. Le 2, Frère Lumière. Le 8, Magnus. Et le 3, Jeanville. Voilà, je vous rappelle, et c'est le plus important, tout le monde, à l'heure qu'il est debout et en bonne forme. On va donc retrouver tout de suite le Parc des Princes pour un premier direct dans cet après-midi. 1h15, un peu plus. On va aller saluer avant ce coup d'envoi très attendu. Thierry Gilardi, bonjour Thierry, ça se rapproche tout doucement. Salut Philippe, effectivement, ça se rapproche 1h20 avant le coup d'envoi de ce choc de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1 entre le 3e et le 4e, entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Vous connaissez les données du problème.
problème, le vainqueur sera leader. Tout à l'heure, pour quelques heures en tout cas, avant les prestations de Nice et d'Auxerre tout à l'heure à domicile. La grande question pour le moment, c'est la sécurité. Dans le parc, tout va bien. Le parc est aux trois quarts vide encore. Hein. Mais les supporters marseillais, eux, sont arrivés depuis 14h45. Ils sont un bon millier. Ils étaient très, très encadrés par les forces de l'ordre. Il y a plus de 2000 policiers et gendarmes affectés aujourd'hui à la sécurité de ce Paris Saint-Germain-Marseille. Vous le constatez à l'intérieur du parc, c'est calme, ça va bien, on attend, on patiente. Alors une équipe est déjà arrivée et a déjà foulé la pelouse du parc, c'est celle de l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée l'arrivée du quart des Olympiens? On va avoir la réponse tout de suite avec Philippe Doucet qui se trouve à l'extérieur du parc. Salut Philippe. Oui, salut Thierry. Ben, à l'heure actuelle, on vit l'arrivée du quart parisien. Alors, marche arrière, exactement comme ça s'est passé tout à l'heure pour le quart marseillais. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. En fait, ça a été très calme tout à l'heure, tout simplement parce que les forces de sécurité ont maintenu les Parisiens à l'extérieur de la zone du stade. Donc, le quart marseillais, je ne sais pas si François Charles vous montrera les images dans un instant. On est sur le quart marseillais. Voilà, donc vous avez une arrivée très calme, entourée de policiers. Et pourquoi? Je vous dis, les supporters parisiens étaient maintenus dans le calme et même avec un sourire de Celestini. Les supporters parisiens étaient maintenus à l'extérieur et du coup, ça a provoqué des échauffourées, mais beaucoup plus loin du stade, à quelques centaines de mètres. Et là, les CRS ont été obligés de charger quand même. Et il y a eu du canon à eau pour calmer tous ces supporters. Ouais, quand même, ouais. Et là, vous avez le quart parisien qui arrive seulement maintenant. Avec Laurent Perpère que l'on voit assis au tout début de ce quart du Paris Saint-Germain, Alain Cézac également, et puis tous les joueurs de Luis Fernandez qui vont arriver dans quelques instants. Laurent Paganelli, lui, il a peut-être déjà pu parler un petit peu avec les joueurs marseillais qui étaient sur la pelouse il y a de cela 5 minutes. On a un peu d'infos, Laurent? Ah, de l'info et de l'intox, c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe. Non, parce que les joueurs en fait sont en salle de réunion, sont dans les vestiaires et vont découvrir la composition d'équipe puisqu'ils ne savent pas encore qui va jouer et qui ne va pas jouer. Je crois que jusqu'au dernier moment on va avoir cette inquiétude, on ne va pas savoir qui va attaquer. Je crois que Alain Perrin va attendre aussi le moment de savoir la compo de cette équipe de Paris parce que il sait pas, moi j'ai discuté un petit peu avec lui, s'il va attaquer, s'il va défendre, s'il va presser. Donc il y a cette petite inquiétude, comment Paris va jouer d'abord pour après je crois mettre en place son système collectif ce soir. Grosse partie de poker menteur ici au Parc des Princes. Ça va durer jusqu'au coup d'envoi qui sera donné par Monsieur Poulain, un arbitre du Rhône. Mais pour le moment, je vous le confirme, ça se passe bien. Frédéric Delu est là. Monsieur Poulain, le voilà, l'arbitre de la rencontre tout à l'heure. C'est un habitué de ces Paris Saint-Germain. Marseille, en vous rappelant l'enjeu sportif majeur, le vainqueur sera leader pendant quelques heures au moins, Philippe. Merci déjà pour cette notion de l'ambiance au parc et ces dernières informations. Dès la fin du rugby, on filera bien sûr vers vous et vers les tribunes du Parc des Princes. On retourne à Armandie maintenant pour y retrouver Philippe Sella et puis Eric Bail. Eric, dans quelques instants, donc cette mi-temps, cette deuxième période à suspense, c'est la 7e journée du top 16. Elle a débuté en fait dès hier, dès vendredi soir. Hein. Effectivement, il y avait un match hier soir à Pau, entre Pau et Mont-de-Marsan. Mais avant de voir les images, regardez juste cette image de supporters un peu original. Alors je ne sais pas si les deux avaient un ticket d'entrée au stade. Apparemment, la sécurité n'a pas l'air ravie. Mais vous avez là un beau, je ne sais pas si c'est un boa ou un piton, je ne suis pas grand spécialiste. Mais en tout cas, c'est un resquilleur, ça c'est sûr. Je veux parler du serpent, bien évidemment. Pau, Mont-de-Marsan, Philippe, effectivement, premier match de cette 7e journée du top 16, qui est la dernière journée des matchs aller. S'est déroulé donc hier soir au stade du Hameau. Je propose de voir les images que nous a ramené Michel Cross avec une belle victoire des Palois. Et un homme en forme, le numéro 12 de la section paloise, Damien Traille, à l'origine du premier essai du match avec l'Australien Garrick Morgan qui est stoppé à 2 mètres de l'embute de Mont-de-Marsan. Ocagne pour Artiguste, premier essai de la section paloise. On était en deuxième période. La première période s'était terminée 9-3 seulement pour Pau. Une belle prise de balle là de Imanola Rinordoki qui faisait son retour hier en Molle palois. Un essai du pilier italo-argentin Fernando Guattieri. A signaler qu'Imanol Arinordoki a joué les 80 minutes de cette partie. Les Palois menaient donc 19-3, semblaient partis vers une victoire facile. En plus, sur cette introduction de Marsan, il récupère le ballon avec la charge d'Arinordoki. Regroupement, Carbeneau pour ouvrir sur Ocagne. Ocagne la passe interceptée par Olivier Toulouse, le trois quarts montois. Un sprint de 80 mètres. Il ne sera pas rattrapé par Arrieta. Et du coup, les Montois vont se remettre à y croire avec des pénalités de Cérévi. Ils vont se rapprocher au score jusqu'à la fin du match, jusqu'à ce coup de pied à suivre de Carbeneau récupéré par le talonneur remplaçant Diaz. Et qui va se venger? Eh bien, Ocagne, à son tour,
il intercepte, il finit entre les poteaux de Mont-de-Marsan. La cause est entendue et sera encore un peu aggravée dans les dernières minutes parce que les Montois jouent tous les ballons. La Morlaes joue cette pénalité vite à la main dans ses propres 22 mètres et le ballon va être un peu cafouillé pour bénéficier à Jean-Charles Sistac. Le voici, un ancien Agenais d'ailleurs, qui va aller marquer le dernier, le quatrième et dernier essai de Pau, qui s'impose 34 points à 13, ce qui nous permet d'enchaîner sur le programme de cette septième journée que vous suivrez bien évidemment demain dans Jour de rugby. On suivra de près dans la poule 2 le derby Béziers-Narbonne ce soir. Colomiers reçoit Perpignan et dans la poule 1, Bordeaux-Bègles accueille Castres, Biarritz-Montauban, gros choc à Lesdiguières entre Grenoble et Montferrand. Et demain à 15h, là aussi des longs extraits dans Jour de rugby avec le Stade français qui reçoit Bourgoin. Les équipes reviennent sur la pelouse, mais avec François Duboissé, on a le temps de voir les statistiques. D'abord, je voulais vous montrer ceci. Regardez, c'est original pour un club de rugby. Le Sporting Union à Genève vient de lancer son eau de toilette pour hommes, évidemment. L'esprit SUA, j'ai pas eu le temps de renifler. Mais je vous l'offre, François, vous qui allez nous mettre au parfum des stats essentielles de la première mi-temps. Attention Eric, je le garde. D'accord, allez, les stats rapides. Allez, on enchaîne avec les touches. On a vu tout à l'heure, Guy Novès disait ça a été difficile un petit peu devant. Hein, les Toulousains sont pris, ensemble. Mais regardez, eh bien, les touches, d'abord le lancer, 6 partout. Donc ça, c'est une première petite idée. Un ballon perdu seulement. Mais si on regarde ce qui s'est passé derrière les touches, eh bien, on voit qu'il y a eu deux tactiques différentes. D'un côté, les Agenais qui gardent les ballons. De l'autre côté, eh bien, les Toulousains qui jouent directement donc pour les trois quarts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essaient de sortir de la pression dès le début du match. Alors que du côté Agenais, eh bien, on prend les ballons avec Thierry Labrousse, qui est le meilleur pourvoyeur. On récupère les ballons et là, on enchaîne dans l'axe. On essaie un petit peu de mettre la pression sur le pape toulousain qui recule avec des grandes phases. On voit Jean-Charles Trinca qui ici, qui vient avec Thierry Labrousse. Ils envoient. Et là, ils ont mis un petit peu les Toulousains à mal. Alors maintenant qu'ils ont marqué un essai juste avant la mi-temps, eh bien, on peut se demander si la tactique sera la même côté toulousain en deuxième période. Effectivement, parce que l'écart au score est minime, 5 petits points d'avance pour les Agenais qui menaient 18 à 6. Ils ne mènent plus que 18 points à 13 avant l'amorce de cette seconde période. Enjeu de ce match, la première place tout simplement de la poule 2, qualificative pour une Coupe d'Europe. Le vainqueur aujourd'hui aura pris une belle option sur cette première place. C'est reparti avec un ballon capté par Samuel Nouchi, le deuxième ligne des Agenais, qui nous propose une petite cocotte pour démarrer cette deuxième période. Il y a eu du coaching aussi, Yann Deleg est rentré, j'ai l'impression. On va faire le point là-dessus en suivant d'abord la charge de Rué. Rué pour Barraud, Bouic à suivre. Sprint de Stolz, mais ce ballon sort en touche. Le point effectivement sur les remplacements qui ont pu être faits oui, à la mi-temps avec Philippe Guillard qui a l'œil sur le bord de la touche. Eh ben, j'ai l'œil de Guy Lorès surtout qui m'a. Ben voilà, donc il y a Yann. Il y a Bru qui est rentré, voilà. Bru est rentré à la place de Servat. Oui. Yann Deleg est rentré à l'ouverture. À la place là, de Fred Michelac, hein, je vois, ouais. Jean-Baptiste Elissal, donc voilà. Et le troisième, c'est. Ah ben c'est ouais. Jean-Baptiste Poux, voilà, aussi, je crois. Voilà. Qui est rentré. Ouais. À la place de Benoît Lecouls, probablement. Voilà. Un pilier international. Poux en remplace un autre, Lecouls. Et donc, on a chargé de 2000 ouvertures. Hein. C'est la grande force aussi des Toulousains. Ici, c'est Yannick Bru, capitaine de l'équipe de France A cet été, et qui partageait sa chambre avec l'autre talonneur, Jean-Baptiste Rué. Et la force de Toulouse est trois joueurs de haut niveau pour la charnière, Elissalde, de Michalak, Deleg. C'est pas mal. Même si Elissalde, en tant que buteur, est d'office sur le terrain, que ce soit numéro 10 ou numéro 9. Alors le lancer Yannick Bru, capté par Lambolé. Molle du stade qui va se rapprocher des 22 mètres à Genève avec Yannick Bru encore, justement poussé en touche. Ah, il y a une lutte féroce devant. Hein. Oui, toujours. Ça se joue au centimètre. Ah, si Jean-Baptiste Rué a dormi chez lui dans la chambre d'Amine cette nuit parce qu'il vient d'être papa d'une petite cerise qui pleure la nuit forcément. Donc avant un match, ça perturbe. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Une petite cerise. Oui, c'est une petite fille. On a joli petit prénom. Très joli. Félicitations. Et donc du coup, pour garder l'influx, il lui fallait du sommeil, évidemment. C'est Belleton qui a pris le ballon en touche. Barraud pour Pepito Elorga.
et dégagement de l'arrière international qui trouve la touche. Alors on va avoir une deuxième mi-temps indécise. Espérant que le ballon glissant ne perturbera pas trop les intentions offensives. Oui, parce que les Agenais avaient pris le large là avec un 18-6 et puis avec cet essai de la dernière minute à la première mi-temps. Mais le score s'est resserré donc. Alignement raccourci, ballon cassé par Lambolé, Lissal de Delegue et pas droit. Le lancer toulousain, on va voir Yann Delegue et son beau casque bleu. Crouch and hold. On soulignera que pendant que les Toulousains remportaient leurs deux premiers matchs de Coupe d'Europe, les Agenais, on vous l'a dit, n'ont pas joué. Ils n'ont pas pu trouver d'équipe pour faire des matchs amicaux, puisque tout le monde jouait. Donc c'est dans cette deuxième mi-temps qu'on va juger de leur état physique. La fraîcheur va-t-elle l'emporter sur le manque de compétition? C'est un peu la question. Labrousse Barreau. Gélès. Chandelle et dessous il y a Poitrenaud. Il se chamaille devant un petit peu. Oui, petite bagarre hors du champ des caméras puisqu'on suit le jeu avec Elissal qui tape à suivre sur l'aile des Manses. Et Lorga bien placé. Et puis que Lorga bien en touche. Ah, il est obligé d'aller en touche, oui, effectivement. Et on va pouvoir revenir sur les petites explications entre avant. Tout le monde s'est relevé. Benetton et Brennan. Normal d'y retrouver Trevor Brennan, le fougueux irlandais. Oui, il y avait Colazo aussi, je crois, avec. Patrice Colazo qui a vécu, lui, d'autres derbies de la Garonne lorsqu'il jouait à Bègles. Oui, les Bèglagins qui ont rarement été tristes. Lancé de Yannick Bouillon se gêne en fond de touche. Brennan prend quand même le ballon. C'est pas droit encore. Hein. Non, non, il y a une pénalité contre les Agenais. Ouais, parce qu'ils sont allés vers le camp adverse en fait. Hein. Ils sont allés gêner les Toulousains. Philippe Benetton, 16 ans de présence au SUA. Il n'y a que Jean-Luc Sadourny pour faire mieux en activité et avec sa fidélité à Colomiers. Eh bien, cela nous donne une pénalité pour les Toulousains qui pourrait les ramener à deux points. On revoit la faute de Parent, hein, c'est ça, Philippe? Oui, entre Parent et Brennan, justement, là, ils se sont gênés, ils se sont repoussés avant même que le ballon arrive. Et la pénalité que va tenter Jean-Baptiste Elissal, le buteur du Stade Toulousain, buteur de calibre international, signalé Guinovès. Donc, effectivement, assuré de sa place dans l'équipe. Et en fonction de sa position, 9 ou 10, eh bien, Delegue ou Michalak ensuite sont choisis pour l'instant hein, dans les plans des entraîneurs toulousains avec une belle pénalité qui passe et qui ramène les Toulousains à deux petits points des Agenais, 18 à 16. Eric. Oui, avec Christophe Delo, oui. Christophe, j'ai l'impression que vous craignez quelque chose là dans cette deuxième mi-temps. Ben on craint surtout que l'arbitre pénalise plus les mêlées et on est plus sanctionné qu'eux alors qu'ils montent sur chaque mêlée. Mais enfin, ceci dit, on n'est pas logique avec le jeu. Je crois qu'il faut faire un peu d'occupation et on joue chez nous en permanence. Il faut faire attention. Ça. Merci. Lambolé dévie sur pelouse. Puis le ballon lui échappe. Récupération à Genèse. Monsieur Dixon a le sifflet à la bouche. Oui, mais il laisse l'avantage pour l'instant. Barreau, Gélès, Chandelle. Où elle monte très très haut, ce sera chaud pour Poitrenaud, d'autant qu'il y a Stoltz qui se précipite. Non, tranquille, long, un petit peu long. Clément Poitrenaud, bel arrêt de volée et il relance aussitôt avec ses jambes. Oh là, il a régnante. Josion, immense, qui va vite aussi. Etamac garde le ballon et attention à la mise en tête avec Lambolé Poitrenaud. Finalement, Elissal qui lance Christian Labitte. Maintenant, il n'a plus de casque, il a un bandeau. Elissal aura la charge de Bru. Les Toulousains sont revenus dans le camp à Genève. Elissal immense. Il va vouloir accélérer face à ses anciens partenaires, il est pris. Mêlée ouverte toulousaine avec Elissal qui ressort le ballon pour Delegue. Delegue au pied, dans le dos dans de Stoltz, dans les bras de Stoltz plus exactement. Et le Sud-Africain ajuste à son tour un bon coup de pied. Alors que je vois Fabien Pelous en bas de l'écran qui grimace. Oui, c'est vrai. Comme Brad Stoltz, pardon, Philippe, qui ce soir va se brancher sur la nouvelle chaîne nos confrères de Sport Plus qui vont retransmettre à 22h la finale de la Currie Cup entre les Lions et les Bulls. C'est d'ailleurs Nick Mallette, l'entraîneur du Stade français, qui la commentera. Et pour les amateurs de rugby, il y aura des beaux programmes à suivre sur Sport Plus qui démarre ce soir. Konrad Stoltz est déjà abonné. On va regarder ça. Lancé Yannick Bruy. Lambolé. Oui, il a encore été trouvé par son lanceur. Bien joué. Ballon arraché par les Agenais avec Renka. Et Barreau peut ouvrir sur Gélès. Gélès sauté pour Guillaume Bouic. Bouic pour Saraméa qui raffute Josion. On retrouve Bouic à l'intérieur.
Ballon éjecté sur le regroupement. Corro se précipite. Ballon toujours à Genet donc. Barreau. Gélès. Grand large. Stoltz. Konrad Stoltz accélère. Konrad Stoltz pour le deuxième ligne. Nouchi qui passe vers Rué. Labo se récupère. Oh, il n'y a pas d'en avant. Là, il a bien en avant. Monsieur Luxon, ici, c'est sûr. C'est sévère, peut-être. Je ne pense pas. Il n'y a pas d'en avant. Donc c'est une bonne offensive de la part des Agenais, surtout avec Stoltz qui est allé chercher la défense. On le voit là, il va bien chercher, il donne, c'est parfait. Et puis Nouchi là qui a le ballon derrière. Il y a un raté de Jean-Baptiste Rué, mais le ballon est vers l'arrière, il n'y avait pas d'en avant. Labitte côté fermé. Christian Labitte pris par Benetton et Labrousse. Il fait du bon boulot. Pelouse a lancé le ballon pour charger, mis au sol par Nouchi. Elissal, Delegue lance Josio. Yannick Josio qui progresse avec Bouygues sur le dos. Libère son ballon pour Fino Maca. Poux, Elissal, Lambolé. Il a bien vu, monsieur Dixon. Oh, il y a une série de passes vers l'intérieur, là, entre notamment Jean-Baptiste Elissalde et Lambolé. Seulement sur la première, ça allait. La deuxième, mais il n'y avait pas un remplacement suffisant. Il faut faire des arcs de cercle encore plus importants. Samuel Nouchi qui a battu Toulouse à Toulouse l'an dernier avec Biarritz. Il était titulaire pour la victoire des Biarros au Stadium. Et ensuite, il n'était pas dans le groupe pour les phases finales. Et il a choisi de venir relancer sa carrière ici à Agen, qui avait besoin de reconstruire une deuxième ligne. 18 à 16. Et l'introduction pour Mathieu Barreau. Ok, engage. La brosse d'une mer. Il y a la technique. C'est magique, hein, on l'appelle magique. Mais c'est... Barreau pour François Gélès. Gélès lance de la puissance de Stoltz, bien bloqué. Ballon est sorti déjà. Barreau, Chistera pour la charge d'Omar Hassan, le pilier argentin. Barreau, Gélès. Oh, il y a du hors-jeu. Il y a du hors-jeu. Il a vu M. Dixon et il signale. Pénalité pour Agen à plus de 50 mètres. Ah, le mouvement a été bloqué alors que les Agenais arrivaient à retrouver leur jeu là depuis le début de ce mouvement-là. Et Omar Hassan, le pilier qui ne jouera pas à Agen-Narbonne la semaine prochaine, il va partir en Argentine pour disputer le premier test match de l'automne, Argentine-Australie, qui promet et qui sera d'ailleurs en direct chez nos confrères de Sport Plus à minuit samedi prochain. Gélès, on n'a pas tenté hein, depuis de 50 mètres, ramène le jeu près des 22 mètres du stade toulousain. On attend les premiers points Agenais dans cette deuxième mi-temps. Alors qu'on revoit là, le renversement des Agenais et puis une faute volontaire là, de Colazo qui est allé chercher le numéro 10 Agenais sur ce renversement. Et puis beaucoup de technicité de la part de Thierry Labrousse aussi. Une main, deux mains, une main. Champion d'Europe avec Brive, tout comme notre ami François Duboissé. Ah. Même s'il a eu le malheur de perdre deux finales du championnat. Une avec Brive contre Toulouse et une avec Agen contre Biarritz. Thierry Labrousse. Ici Nouchi en gros plan. Lancé de Rué en fond de touche. C'est un cadeau pour Fino Maca. Ah, il était là à l'affût. Le troisième ligne néo-zélandais. Récupération à Genèse. Non, pénalité, dit monsieur Dixon. Oui, parce que... Je crois que c'est Baran qui est allé chercher le ballon un peu chez l'adversaire alors qu'il y avait déjà une mêlée ouverte. Bonne touche trouvée par Jean-Baptiste Elissal. Puisqu'on est au programme des prochaines réjouissances pour les abonnés de Canal, la semaine prochaine, le premier match en direct cette saison avec Perpignan, l'USAP qui se déplace où ? À Toulouse. C'est évidemment le choc de la huitième journée, première journée des matchs retour. Perpignan avait battu Toulouse au match aller. Eh bien le retour, Toulouse-Perpignan sera en direct samedi prochain sur Canal. Notez-le bien. Et si vous êtes dans la région toulousaine, faites le déplacement du stade des 7 deniers, du stade qui s'appelle maintenant Ernest Vallon, qui est tout beau, tout neuf, presque terminé et qui est magnifique. Coaching. Oui, on va laisser l'action se dérouler d'abord. Oui, ensuite Delegue qui lance Josion. Josion Fino Maca. Fino Maca ceinturé par Gélès. Ah, le ballon est gicle. Desbrosses est là pour le récupérer. Sur la ligne des 40 mètres, dans le camp d'Agen avec Elissal. Delegue contrer son coup de pied à suivre. Attention à Elorga qui n'était pas dans ses 22. Alors il tape dans l'air de jeu et dans les bras de Jean-Baptiste Elissal. Aussitôt pour Grégory Lambolé, le jeune Lambolé charge, rafute.
et attend le soutien de ses partenaires Kivière. Celui de Christian Labitte a réexpédié en son camp. Et ça repart avec Elissal, avec de Legge qui a bien vu le coup et qui va trouver une remarquable touche dans les 22 mètres à genoux. Oui, il a réussi à taper par-dessus Olivier Saramea alors qu'il était placé là sur son aile. Luc Laforgue est rentré à l'autre aile, à la place, oui, à la place de Corot. Christophe Corot. Et sur la ligne médiane, il y a un blessé. Et il me semble que c'est, oui, c'est Jean-Michel Parent, non? C'est Nouchi. Non, c'est Parent. C'est Parent avec le casque, pardon, le numéro 5. Jean-Michel Parent qui a été champion de France de Pro D2 la semaine dernière. La saison dernière, pardon. Avec Mont-de-Marsan, bien évidemment. Les Montois, vous l'avez vu, battu à Pau hier. Alignement raccourci, mais on va attendre le retour évidemment du deuxième ligne à Genet. L'occasion d'une stat avec François. Oui, ça nous laisse le temps un petit peu de regarder un peu ce qu'a fait monsieur Dickinson, Dixon depuis le début de la rencontre. Regardez le nombre de pénalités, pas tellement conséquent, mais ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il a sifflé en majorité des fautes au sol, c'est-à-dire comme ses confrères français. Donc il n'y a pas vraiment de différence d'arbitrage. Le maillot du petit ramasseur de balles qui a servi à Jean-Baptiste Rué pour essuyer le ballon bien humide. Oui, là, oui, ben, ce temps mort là avec Guinovesgui, ça va quand même mieux qu'en première mi-temps. Hein, on peut dire ça. Mais ça va mieux dans la mesure où on commence à avoir nos ballons en conquête, hein, et qu'à partir de là, on commence à utiliser plus correctement les ballons. On n'a fait que défendre en première mi-temps. Bon, on se rend compte qu'à tout moment, que ce soit côté Toulouse ou côté Agen, l'une ou l'autre qui peut faire la différence. Bon, maintenant c'est vrai que pour nous on est un peu mieux dans le match. Merci. Et il n'y a que 2 points d'écart en faveur des Agenais, certes. 18 à 16, lancé de Jean-Baptiste Rué pour Thierry Labrousse en fond d'alignement, et aussitôt le mol, le pack Agenais se met en place. Krenka, libération pour un dégagement de Gélès. C'est parti, Biawer et en touche. Voilà, d'abord du combat devant, essayer d'avancer toujours un petit peu sur la conquête, faire subir l'adversaire pour dégager ensuite. Sous l'œil des présidents, Jean-Pierre Guignard, président d'Agen, à gauche Serge Blanco, avec Jean-Pierre Lutz, le président de l'ERC, qui est venu ici. Et Jacques Laurence, qui est membre de la Fédération française et de l'International Board. Quelques célébrités, Pascal Ondartz, l'ancien pilier du Biarritz Olympique et de l'équipe de France, évidemment. Venu dans les tribunes assister à ce choc du championnat. Bonne prise de balle de Brennan. Poux lance Desbrosses. Desbrosses retrouve du monde avec Lambolé. Et maintenant Josion. Josion pour Poitrenaud. Poitrenaud, Lambolé encore. Oh, très actif le jeune Lambolé. Deuxième mi-temps. Ouais, dans cette deuxième période. Et pénalité contre les Toulousains pour un ballon gardé au sol par justement Grégory Lambolé. Joué vite par Mathieu Barraud qui sprint. Les Toulousains n'étaient pas à 10 mètres évidemment. Seront-ils sanctionnés? Oui, et bien joué de la part du demi de mêlée qui fait gagner 10 mètres à son buteur. Là maintenant ils peuvent bien sûr la tenter. C'est probablement ce que va demander Jean-Jacques Krenka. Toulouse qui avait mis du rythme depuis le début de la deuxième mi-temps. Krenka qui ne se sépare jamais de son interprète, Omar Hassan, le pilier argentin, mais qui parle anglais puisqu'il avait notamment joué dans le Super 12 en Australie. En fait, pour faire comprendre à l'arbitre que la pénalité va être tentée, c'est pas le plus compliqué. C'est le plus facile. On revoit la faute de Lambolé qui a gardé ce ballon au sol. On voit bien là. Ah, ce ballon chéri. On a envie de le regarder dans son camp. Pendant que François Gélès se prépare, on peut regarder sa stat, Laurent Dôme, parce qu'il est à 100%. 5 sur 5 et on rajoutera un drop. Et je vous parlais des prochains rendez-vous sur Canal. Je vous ai dit Toulouse-Perpignan la semaine prochaine. Dans 15 jours, on va appeler ça la cerise sur le gâteau. Angleterre-Nouvelle-Zélande en direct de Twickenham. Le soir, les Français joueront contre les Springboks à Marseille devant les caméras de nos confrères de France Télévisions, évidemment. Nous serons à Twickenham l'après-midi pour Angleterre-Nouvelle-Zélande. Et le week-end suivant, Angleterre-Australie en direct sur Canal Plus Vert. Et sur Canal, un très long résumé le dimanche soir après l'équipe du dimanche. Vous avez tout le programme sur canalplus.fr, sur la page rugby, si vous voulez bien noter tout ça. Toulousains se sont rapprochés à 2 points. Je laisse l'occasion là de donner 5 points d'avance. Il ne la laisse pas passer. Toujours 100% pour François Gélès. Et 21 à 16 pour Agen. On est tout près du score de la demi-finale. Agen s'était imposé 21 à 15. Et du changement
du côté de Toulousain, Philippe. Ben, c'est Xavier Garbajosa qui rentre à la place de Cédric Desbrosses. Oui, mais il est là, Garbajosa, parce que pourtant il était suspendu après deux cartons jaunes pris en Coupe d'Europe, mais le club a fait appel et il peut tenir sa place. Deux cartons jaunes pour faute technique, pas pour brutalité. Ce qui faisait quand même que la suspension est un peu sévère. Les Agenais n'ont pas contrôlé le renvoi. Et M. Dixon a sifflé en avant. Oui, il va y avoir en avant parce qu'ils ont récupéré le ballon, mais sous la pression des Toulousains, ils l'ont échappé. Puis ce ballon est allé vers le camp adverse. Christian Labitte, bandeau de pirate. Et mêlée effondrée. Nouvelle introduction pour Jean-Baptiste Elissal avec ce numéro 9 dans le dos qui fut celui de son père aussi, Jean-Pierre, qui a été international au poste demi de mêlée. Et ce soir, il y a un certain La Rochelle Bayonne, choc au sommet de la Pro D2 du côté de Marcel de Flandre avec une pénalité pour les Toulousains. C'est le PAC Agenais qui est sanctionné cette fois. En première mi-temps, c'est le PAC Toulousain qui a été sanctionné. Là, sur le deuxième acte, c'est plutôt le PAC Agenais. Et Elissal va pouvoir répliquer à Gélès et maintenir les Toulousains à portée de drop, je dirais, parce que s'il n'y a que deux points d'écart, tout peut se jouer sur un petit coup de pied ou de dé dans les fins de match, dans la fin du match. Quelle est la stat d'Elissal sur les Toulousains? 100%. Elle est aussi de 100%. Il en a eu moins à tenter. Moins à tenter, 3 sur 3. Enfin, il a mis un drop aussi en même temps. Exactement. Ah, ils se tiennent de près, Elissal et Gélès. Et on suit bien la trajectoire qui part vers les poteaux et qui passe vers les poteaux. 21-19, toujours très très serré ce derby de la Garonne. Ce choc au sommet de la poule 2 entre le premier Agen et le deuxième Toulouse n'a pas encore choisi son vainqueur. Suspense garanti pour les 13 000 spectateurs d'Armandie. Les places étaient chères aujourd'hui au sens figuré parce qu'il fallait se dépêcher pour les acheter. Et c'est un match de gala. Gros succès populaire pour ce match ici à Armandie. Fino Maca à la réception. Poitrenaud est venu l'épauler. Et le voici Clément Poitrenaud au milieu de tous les avants du stade toulousain. Avec Poux ici qui arrache ce ballon, qui le bataille avec Krenkera. Elissal, Deleg. Loin là-bas, dans le dos de Saramea, et va-t-il trouver la touche? Non, Saramea à la relance, et on vous a dit qu'il avait un gros coup de pied, il s'en sert. Bien joué. Il a à peine tapé dans le ballon. Très belle touche trouvée par Olivier Saramea, et l'ancien joueur de Castres, international lui aussi. 6 saisons à Castres, qui est venu se relancer à Agen. Où il va lui aussi probablement recommencer à progresser au contact de Christophe Delot, qui est très apprécié par ses ouailles. François, le point sur la touche toulousaine en seconde période. Regardez, qui c'est qui domine? Eh bien, Lambolé, on le voit énormément dans le jeu, mais il est aussi présent dans les airs. Et on rajoutera un ballon pris par Fabien Pelousse ici. Et les Agenais sont pénalisés. Alors, est-ce que le métier des Toulousains va faire la différence en deuxième période? On va dire qu'il y a aussi beaucoup de métiers côté Agenais avec des joueurs d'expérience. Et une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, parce que si l'on accepte la deuxième ligne, il y a eu peu de renouvellement cette saison. Ça fait 3 ans qu'ils jouent pratiquement tous ensemble, c'est vrai. Quelques changements uniquement. Oh, Jean-Pierre Papin dans les tribunes Normandie, mais on se serait attendu à le voir au Parc des Princes aujourd'hui. Lui aussi, il doit avoir un plan pour aller voir Canal après, vite fait, à la sortie du match. Je sais où il va. Il va chez un ami ici, près d'Agen. On sait qu'il adore le rugby, Jean-Pierre Papin. Mais il va évidemment pas rater Paris Saint-Germain, Marseille. Changement Dans le paquet d'avant, c'est Jean-Michel Parent qui est sorti, et c'est Kala qui rentre à sa place. Maher Kala, venu du Stade Toulousain cette saison, jeune deuxième ligne, né à Tunis, formé à Angoulême, et qui est venu prêter main forte aux Agenais en cette saison. Le voici aux côtés de Nouchi en deuxième ligne. Les Toulousains qui progressent avec Bru, avec Fino Maca. Libération du ballon pour Elissal. Elissal de Deleg. Deleg lance Josion. Josion repris. Le soutien de Poux. Il met le ballon en route. Interception. Non. Monsieur Dixon ne siffle pas en avant. Donc Elissal peut taper ce petit coup de pied et trouver la touche. Non. Et l'Orient.
Loin devant, évidemment. Mais Poitrenaud s'est replacé. Clément Poitrenaud s'appuie sur Christian Labitte. Directement en percussion sur Elorga. Oui, mais il y avait du monde d'un côté, heureusement. Point de fixation et de leg en position de demi de mêlée. Pour Garbajosa, joli coup de pied dosé de Garbajosa, oui, mais sans souci pour la Forgue. Parce qu'il a passé décroisé, en fait, pour l'amener près de la ligne de touche. Donc ça permet de calmer un peu tout le monde. C'est un peu confus là sur la fin avec des coups de pied où on se débarrassait un petit peu, pas assez précis. 21-19. Les 20 dernières minutes. Chaque équipe n'ose pas se découvrir complètement. Hein. C'est quand même assez tactique. On joue plutôt au près. Il y a quelques jeux de passe, mais plutôt au ras, près des phases de conquête. Renvoi 22, long de François Gélès. Poitrenaud s'appuie sur Émance. Cédric Émance, Chandelle. Et dessous, il y a Labrousse ou Émance. C'est Labrousse qui capte impeccablement et libère aussitôt dans son camp. Pour Barreau sur le côté fermé, avec la Forgue pour Elorga. Elorga face à Elissa, derrière lui du monde intérieur. Benetton, il n'y a pas d'en avant. Mais c'est normal que l'arbitre l'ait sifflé. Mais c'est vrai que le ballon, il y a une bagarre sévère entre la Forgue, Gélès, les trois quarts. Et là, on n'était pas obligé de voir ce genre de geste dans ce match au sommet du top 16. Alors, okay. Je vais tout vous raconter. Alors, la guillotine, c'est vous. L'histoire. Parce que nous, on a suivi le ballon. Hein. C'est l'histoire d'un trois carrel qui fixe un Irlandais, je pense. Ah, il y a Brennan dans le coup. Voilà. Et donc, Brennan l'a quand même pris, il l'a fait monter au cocotier, il l'a redescendu sur les épaules, alors que la passe était faite depuis un certain temps. Et la Forgue, qui a du sang tout neuf, il s'est fâché, il lui a mis une poire. Le seul problème, c'est que. C'est Brennan le gabarit, non ? C'est que Brennan, quand il a commencé à déplier ses bras, la Forgue s'est sentie en infériorité physique, c'est donc sûr. Donc il a bloqué ses bras et ça a été un combat de judo. Il a touché quand même. Brennan saigne, la Forgue aussi. Effectivement, on était concentré sur le ballon, c'est notre rôle. Et l'échauffourée nous a échappé. Allez, c'est pas dramatique. Trevor Brennan, célèbre depuis une empoignade avec Tutai Kefu lors d'un Irlande-Australie de la Coupe du Monde 99. Ou alors là, ça avait duré, la séquence avait duré 30 secondes et puis tout le monde était parti au frigo. Alors c'est pas acceptable, carton jaune pour tous les deux. Voilà comment M. Dixon règle les affaires courantes. Le SUA va se... Ah ben alors... Qu'est-ce qui se passe là? C'est le mauvais geste de Brennan encore et ça dégénère. J'ai pas vu, ils se sont encore chamaillés et c'est reparti. J'ai pas vu le départ. Ils se sont parlé un peu. Encore, voilà. Ouais. Ça vient de ternir ce match qui était physique, disputé, enlevé. Christophe Delo vient calmer. Il pourrait y avoir deux cartons rouges au lieu de deux cartons jaunes. Vous allez voir, certainement. Le jaune va probablement virer au rouge. Il me semble que la Forgue a fait un petit croche-pied quand il a croisé. Ah oui. Voilà. Une petite provocation, on va dire, à la française. Et Brennan il s'est retourné, il en a mis. Alors, est-ce qu'il change la sanction, monsieur Dixon, qui a mis la main à la poche? Non, apparemment pas, on en reste au jaune. Et monsieur Dixon rappelle Pelous et Krenka, les deux capitaines, réfléchit un peu parce qu'il y a d'autres joueurs du coup qui se sont mêlés à la bagarre. Eh, c'est quand même. Oh, c'est Brennan, mais, là on voit Brennan, mais on n'a pas vu les pieds de la Forgue. C'est Brennan qui a sur ce ralenti-là, on voit Brennan repousser la Forgue et ça repart. On n'a pas l'habitude de montrer les ralentis des bagarres, mais on voulait quand même savoir ce qui s'était passé. Alors. Are you clear that what you saw with the actions they did warranted changing the yellows to reds for both of them? But definitely both second yellows, so they're both red. Okay. Alors les deux, on va passer de jaune au rouge si j'ai bien compris. Okay. When I turn my back, the two players start fighting again. Quand je me suis retourné, les deux joueurs ont recommencé à se battre. Ils avaient deux cartons jaunes. No more, or the next one goes as well. Fini, sinon le prochain c'est dehors. Et maintenant on va voir Brennan et la Forgue pour passer du jaune
au rouge, ce qui est tout à fait logique. Voilà pour Brennan qui était assis sur le banc toulousain, et voilà pour Laforgue qui était sur le banc à genoux. Et donc tout le monde repart, enfin les deux joueurs vont repartir au vestiaire. Brennan et Laforgue, il ne faudrait pas qu'ils repartent ensemble, exactement. Voilà. Allez, ça c'est dommage parce que ça gâche un petit peu cette deuxième mi-temps qui est intéressante du point de vue sportif et suspense. La pénalité est pour les Toulousains et peut donner l'occasion au buteur du stade de mettre son équipe en tête au tableau d'affichage. Alors, comme on voit l'action là avec ce plaquage appuyé donc voilà, de Brennan qui amène toutes les hostilités par la suite. Donc en fait, il y a un plaquage. Et voyons, est-ce qu'il y a... demain. Et là, il y a... En fait, c'est Brennan qui revoit faire. C'est difficile à voir. C'est difficile à voir, mais bon. Est-ce qu'il y a croche-pied de Laforgue ou pas? Non, c'est pas vraiment un croche-pied. Il a juste mis un peu la jambe comme ça pour le provoquer, mais c'était juste. Je crois qu'il était vraiment furieux, Laforgue, d'être pris à retardement comme ça. Et... Ouais. Bon, et alors, bon, voilà. Tourner la page, parce que ça, c'est important. La pénalité que tente Jean-Baptiste Elissal, ça va frôler le poteau à l'extérieur. On en reste à 21-19. Alors du coup, croyez-moi, les 12 dernières minutes de cet Agen Toulouse promettent d'être chaudes et serrées. 21-19. Alors là, il va falloir avoir des nerfs, du calme, de la maîtrise. Et les tribunes Normandie, vous vous en doutez, sont chauffées à blanc maintenant. Au revoir 22 de François Gélès, loin, sur Cédric Emmans, qui tape une chandelle. Ça va pas apaiser les esprits, ça. Et Lorga, elle est un peu longue. Et Lorga, tranquillement, arrête de voler dans ses 22 mètres. Bien protégé, en plus, par Labrousse. Et Lorga sur Elissal. Avec Delegue. Delegue, coup de pied croisé dans le dos de Saraméa. Va-t-il trouver la touche? Il la trouve. Très beau coup de pied. Tactique de Yann Delegue, François. Et ce qu'on peut ajouter au suspense, c'est que les Toulousains se sont imposés deux fois sur trois sur leurs trois dernières sorties ici à Normandie. Ben, ils sont ressortis deux fois vainqueurs. C'est énorme quand même. Effectivement, un match de play-off il y a quelques années sur Canal ici où ils s'étaient imposés. Alors les Agenais avec Saraméa vont devoir résister. Alors on nous remontre là, ça parce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Il y a effectivement le pied de Laforgue qui fait croque en jambe à Brennan. Et Brennan qui se venge avec délicatesse. Voilà l'explication. Maintenant on oublie, mais il fallait qu'on soit bien impartiaux et qu'on vous montre exactement d'où était venu le problème. Le plaquage à retardement de Brennan dans un premier temps. Le petit crochet-pied de Laforgue dans un second temps. Brué à charger. Ballon pour Mathieu Barraud, gêné, récupération, Christian Labitte pour les Toulousains, avec un avantage à suivre pour les rouges et noirs qui jouent en gris maintenant. Josio, Garbajosa pour Emmars, face à Gélès, Raffut, il est passé, Cédric Emmars, repé par Benetton, non, il lui a échappé, mais l'ouverte Toulousaine dans les 22 mètres à Genet, monsieur l'arbitre a sifflé un en avant. Voilà, il y avait un en avant juste avant, ouais. Mais les Toulousains là qui... un petit peu plus de ballon, maîtrise davantage. Alors tout ça nous fait oublier que vous pouvez voter par SMS pour l'homme du match. C'est François Gélès, ça ne vous étonnera pas, qui est en tête pour l'instant. Que vous pouvez, l'homme du match, la note du match, hein, comme d'habitude. Voilà, et puis poser vos questions sur canalplus.fr. François Gélès en tête pour l'instant. HPM à 10 pour voter pour lui. Oh, le rebond piégé Mars. Et voilà, du coup, une bonne touche trouvée par les Agenais. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Mais il y aura des arrêts de jeu dus à la bagarre, évidemment. C'est maintenant, monsieur l'arbitre de touche. Oui, qui s'était trompé de ça. Il s'est trompé alors, avec ce qui s'est passé juste avant. Je peux vous dire que dans les tribunes, ça chauffait. C'est qu'ils vont avoir plein de choses à raconter, les Écossais, les arbitres, quand ils vont rentrer. Ah, ils ne sont pas venus pour rien. Les juges de touche arbitreront demain. L'un à Blagnac, l'autre à Palma, les séries inférieures. Ah, ce ballon qui n'a pas été maîtrisé pour les Agenais encore une fois. Et ça va être une nouvelle mêlée pour Toulouse. Sur ce fond de touche là, le ballon est parti un peu vers le cas adverse. On n'en voit pas beaucoup hein, des bagarres comme ça là, en ce moment est à mieux. Oui, mais là, en l'occurrence, on savait le contexte chargé. Elissal, accélération, il est passé, Jean-Baptiste Elissal, il sprint le long de la touche, repris par son vis-à-vis Mathieu Barraud.
bien joué Barreau, parce qu'il y avait un boulevard pour Elissal s'y passer. Il est allé le chercher vraiment très très loin, alors que Jean-Baptiste Elissal avait vu qu'il n'y avait personne là sur le bord de la touche. Il a le ballon bien positionné là à gauche, puisque pour rafuter avec sa main droite. Et puis c'est l'aile de la Forte qui est plus là. Hein, il y a des espaces, il n'y a plus que 14 joueurs dans chaque équipe. Oh, je pense que c'est peut-être Philippe Netto ou Mathieu Barreau ou Mathieu Olivier Romand qui va faire passer à l'aile. Alors le lancer était toulousain, capté par l'alignement à genoux. Bon, il y a eu beaucoup de touches comme ça avec derrière des regroupements. Et il va falloir avoir un œil en permanence sur le chrono. Là, il a pas réalité que Barreau joue vite. Pourquoi faire? Pour gagner 10 mètres encore probablement. Alors qu'il vient de lancer Konrad Stolz. Lièvremont maintenant. Bloqué par Fino Maca. Mathieu Barreau. Oh, il y avait de l'espace de l'autre côté. Trois chronos. Réexpédie le ballon dans le camp Genet directement sur Bouic. Monsieur l'arbitre a sifflé. Là, je pense que... Je ne sais pas ce qu'il a sifflé. Il y a des petits problèmes. Là. C'est-à-dire qu'il a sifflé, puis maintenant il va s'intéresser avec son jeu de touche, parce que je pense que le jeu de touche... Peut-être un plaquage sans ballon ou... Oui, parce qu'il a bloqué François Gélès après son coup de pied. Pas bien pelouse, hein, le 5 Black. C'est le capitaine toulousain qui va être pénalisé. Attention, parce que là, ça peut donner pénalité pour Agen. C'est un maillot qui a été retenu, je pense. Non, dit Fabien Pelous. Mais oui, dit Monsieur Dixon qui accorde bel et bien une pénalité sur les 40 mètres. C'est pas du tout Fabien Pelous. Moi, j'ai vu. Mais j'ai arbitré la prochaine fois. Un coup de pied par-dessus et hop, on retient un peu quand même par le maillot. C'est l'obstruction. Pas longtemps, mais bon. C'est pas méchant ça par non. contre. Alors, mais en tout cas ça vaut une pénalité à François Gélès. Alors François Gélès, 21-19, il est dans ce match à 6 pénalités réussies sur 6 tentées, plus un drop, c'est-à-dire les 21 points d'Agen cet après-midi. Et il a là, à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, l'occasion de remettre les Agenais à 5 points, c'est-à-dire à un essai des Toulousains. Il est gaucher, c'est son bon pied donc. Mais elle est difficile à plus de 42 mètres encore. Ouais, ça part bien. C'est parti encore une fois. Et encore une fois, ça passe. Sans faute de François Gélès. 100% toujours. Et 24-19 pour Agen. Belle réussite, mais pas, c'est pas uniquement aujourd'hui, depuis le début de la saison. Il doit tourner à pas loin de 90% de réussite. Là, c'est Lambolé qui sort pour Toulouse. Et Isidro Maca qui rentre à sa place. Isidro Maca. Les deux frères Maca sur la pelouse. Isidro a des cuisses énormes. Il avait fait une charge retentissante en demi-finale. Allez, déviation de Cala dans son camp. Et puis finalement, les Toulousains ont pu le récupérer. Et finalement, ce sont les Agenais qui vont le sortir. Non, en avant, non, ça a dit M. Dixon. 5 dernières minutes du temps réglementaire. Il va y avoir quelques arrêts de jeu. Il y aura quelques arrêts de jeu. Bien 3-4 minutes en raison de la bagarre. Et de l'expulsion de Laforgue et de Brennan. Christian Labitte est monté en deuxième ligne aux côtés de Fabien Pelous. Puisqu'Isitolo Maca est rentré et qu'il manque Brennan dans le pack toulousain. Mais il y avait eu un bon début de deuxième mi-temps, un certain rythme dans des conditions particulières, hein, de terrain un peu glissant. Mais on avait vu quelques jeux de passe intéressants, de bons combats, et puis les mauvaises hostilités ont coupé un peu ce rythme-là. Départ justement d'Isitolo Maca, bien stoppé par Mathieu Barreau. Il faut y aller quand Maca charge. Elissal. Ah, il a bien cherché. Delegue a vu l'intervalle, il est bien plaqué par Benetto. Elissalde, Josio intérieur pour Pouxo. Plaquage. Ouais, il y a eu. Il a gardé la balle. C'est Mathieu Lièvremont, l'auteur du plaquage sur le Toulousain.
qui en plus costaud, hein. Permet aux Agenais de récupérer cette balle sur la pénalité sifflée par M. Dixon. Ouais, c'est un plaquage qu'on peut appeler offensif de Mathieu Barrault. Le Toulousain et ainsi mettre une pression. Pour garder le ballon, ils ont dû faire une faute. Et les Agenais vont pouvoir se dégager parce que Toulouse en fait joue assez souvent dans le camp Agenais. Et donc ne sont pas à l'abri d'une pénalité. On voit ce plaquage là. Sur un pilier, donc il faut descendre quand même bien bas. Ouais. Et puis aller chercher, non pas attendre, subir le. L'attaquant adverse. Travail défensif du demi de mêlée à Genet. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je pense que Jean-Jacques Crinca est blessé. On l'a à l'image à l'instant. Il a dû prendre un coup. Il saigne quoi. Hein, il sur va. La tête, oui, il saigne. Donc on le soigne d'abord avant qu'il reprenne sa place. C'est pas grave. Le chrono défile. Mais il y aura beaucoup d'arrêts de jeu. Et les Toulousains sont à 5 points. Un essai d'Agen. Comme en demi-finale, les Agenais n'ont pas marqué d'essai. La botte de Gélès a meublé le score. Les Toulousains ont inscrit cet essai de pénalité en fin de première mi-temps. Là, c'était aussi Barrault qui était sur Maca. Donc il a plaqué Maca et Pouf sur la même action. Encore plus loin, il remue de la viande. Hein. Avec Mathieu Barrault qui progresse en permanence, qui a aujourd'hui une bonne maîtrise de ce poste de demi de mêlée. Et c'est lui il aussi. Est en pleine confiance et regardez physiquement malgré son gabarit qui n'est pas un gabarit à la Maca mais il fait tomber du monde et oui, c'est Philippe. Lui qui est allé chercher Jean-Baptiste Alissade et je pense que s'il ne pas je pense qu'il a essayé c'est le plaqueur du match Mathieu Barrault ici le demi de mêlée d'Agen en attendant de connaître l'homme du match d'ici une ou deux minutes. Alors voilà, ça prend un peu de temps de soigner Jean-Jacques Crinca, de lui mettre un beau bandeau pour qu'il ne saigne plus. Petite coupure qui sera vite soignée. C'est Centurion. Et côté toulousain, il y a du coaching. Je reconnais le jeune Julien Fiorini. Qui va rentrer à la place de Finomaca. Finomaca. Fiorini qui est pour le coup a peut-être joué troisième ligne. Le jeu reprend, 79e minute, plus au moins 5 minutes d'arrêt de jeu. Et François Gélès, avec cette pénalité, ramène le jeu sur la ligne médiane. Lancé à suivre pour Agen, leader de la poule 2, qui mène de 5 points devant le Stade Toulousain, deuxième de cette poule. Fait la fin aujourd'hui des matchs allés. Les Agenais vont-ils virer en tête? Réponse dans quelques minutes. Lancé, Rubé, capté par la brousse. Renka facilement reconnaissable maintenant. 6 minutes de temps supplémentaire. 6 minutes, merci. Le match sera terminé donc lorsque notre chrono affichera 86 minutes. Il n'y a rien. C'est pas faute. Krenka. Oh, il a Krenka trouvé, s'échappe. Krenka tout seul face à Cédric Emmans qui le ceinture et qui le plaque dans l'entrée des 22 Toulousains avec Omar Hassan qui ressort le ballon pour Mathieu Lévremont. Benetton maintenant pour un renversement d'attaque. Gélès le garde le ballon. Tombe sur Isito Lomaka. Les Agenais ont conservé. Krenka encore sur le côté fermé. On a insisté au ras de ce regroupement. Monsieur Dixon a sifflé. Il va donner plus. Mêlée, introduction à Agen. Oui, il n'a plus laissé l'avantage donc, de ce temps avant toulousain. Il va remettre une mêlée pour les Agenais. Regardez là, Jean-Jacques Crinca. Il récupère ce ballon qui était parti dans le camp Agenais, un petit peu anodin comme ça. Et puis il n'y avait plus personne. Donc il est allé défier ensuite l'ancien Agenais, Cédric Emmans, qui est resté bien bloqué. Là. Ah, il n'y a pas eu de cadrage débordement, évidemment, mais c'est une volonté de conserver le ballon, de ne pas trop s'éparpiller non plus. Cédric Emmans était bien présent. Homme du match élu par les abonnés de Canal, François Gélès à 74% en l'auteur des 24 points à Genève. Ce n'est évidemment pas une surprise aujourd'hui, mais le match, lui, n'a pas encore donné son vainqueur. L'introduction est Barrault. Les Agenais sont installés dans le camp toulousain et ils mènent au score. Il reste encore 5 minutes. Va-t-il y avoir un drop? Labrousse dans les pieds, Labrousse ramasse le ballon et charge, il est pris par Maca. Libération du ballon drop pour Gélès est en position de drop. Du gauche, c'est parti, c'est bien parti, non ça va aller à gauche. À gauche des poteaux. À gauche des poteaux, c'est la première fois qu'il rate quelque chose. Mais en plus, Agen bénéficie d'une pénalité. Pénalité pour les Agenais suite à la mêlée. Ouais. Wing forward, time. Back you go. Voilà, le flanker qui s'est détaché. La troisième ligne s'était détaché de la mêlée. Je pense qu'il parle
En fait, c'est Cédric Emmens. Cédric Emmens est venu faire la mêlée à 8 pour que les Toulousains soient vite sur cette mêlée. Il est parti après. Il n'est pas resté parce qu'il a vite repris son poste d'ailier. Ah, voilà, oui. Je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, le 3 carré n'est pas forcément au courant de toutes les règles. On le voit, Cédric Emmens, là, il est en position de numéro 8. Voilà, il se détache de la mêlée n'est pas terminée. Ah, merci, ouais. Lagui, bien vu. Et effectivement, la pénalité est absolument logique. Mais Cédric Emmens s'habitue à rester sur l'aile. Oui, mais Philippe est un ancien ailier champion de France. Moi, je ne faisais pas les mêlées, hein, désolé. C'était pas dans mon contrat. Alors, cela signifie qu'il y a une nouvelle pénalité pour François Gélès, 82e minute. Et là, cela changerait tout, parce que si elle passe, cela fait 8 points d'avance. Et même avec un essai transformé, Toulouse ne peut plus revenir. Donc, c'est un peu la balle de match pour les Agenais. Si François Gélès réussit cette pénalité, on peut considérer qu'Agen aura gagné ce choc au sommet Agen-Toulouse. Allez, c'est son bon pied, le gauche du bon côté. Ça part impeccablement entre les perches et ça passe encore une fois. 27 à 19 pour Agen, 27 points de François Gélès, l'homme du match incontestablement, et une nouvelle victoire qui se dessine pour le Sporting Union Agenais. Ce sera la 6e victoire consécutive en 7 journées de top 16. Ils n'ont perdu que le premier match et depuis ils sont invincibles. Il reste 3 minutes avec les arrêts de jeu. Et avec ces 8 points d'avance, les Agenais sont théoriquement à l'avant. Et en plus, ils ont le ballon au chaud dans ce regroupement avec Krenka. Barreau pour Gélès, qui peut être acclamé par le public d'Armandie à chaque ballon touché. Et là, il expédie le ballon sur le toit des tribunes. En plus, il joue à l'ancienne un petit peu, envoyer le ballon très loin, en dehors du terrain. Un seul essai inscrit par les Toulousains en fin de première période, mais Krenka et ses hommes ont tenu bon. Et c'est à l'image du match, hein, avec Jean-Jacques Krenka. Quel gros combat. Il y a eu un gros combat avant même. Un énorme combat. Et le public d'Armandie fait déjà la fête. Agen sera à la fin du match aller la meilleure équipe du top 16. C'est une certitude, quels que soient les résultats de tous les autres matchs. Lancé de Yannick Bru, capté par Fabien Pelousse. Elissal de Delegue. Josion sauté pour Garbajosa, Poitrenaud. Et les Toulousains ne franchissent pas si Poitrenaud, repris par Saramea et Stoltz. Elissal, Delegue, Josion pour Christian Labitte. Labitte garde le ballon et va au sol. C'est Pelousse maintenant qui charge. Elissal, renversement avec l'accélération de Delegue, avec Garbajosa qui est plaqué par Beneteau. Et pénalité contre les Toulousains pour Marie-Marie au sol. Peut-être la stat du match avant le coup de sifflet final, François. Effectivement, c'est la stat du match et bien sûr, elle concerne François Gélès avec 27 points. Bien, c'est tout simplement le meilleur réalisateur depuis le début du championnat sur une journée. Donc 27 points pour François Gélès. Ouais. Les 27 points à Genève aujourd'hui. Il doit rester quelques secondes à jouer encore. Il a demandé à M. Dixon. François Gélès va taper en touche. Taper en touche. Ah, c'est du délire dans les tribunes. Et là, il a trouvé la touche, bien évidemment. Mais ils vont jouer quand même la touche. Allez, il encourage tous ses coéquipiers. Ah, il a gros mental. Et le supporter agenais savoure cette 2e victoire consécutive contre le grand rival régional, le Stade Toulousain. 16 fois champion de France, les Agenais ont 8 boucliers de Brennus. Ils sont pas mal placés dans la hiérarchie, hein, après Toulouse, après le Stade Français et Béziers. C'est Agen qui en a gagné le plus dans l'histoire. Philippe, vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. Encore un gros maul des Agenais. Barreau attend ce ballon. Gélès, petit coup de pied dans le dos là-bas. Et c'est Elissal qui galope le touche. C'est remarquablement fait. Coup d'œil au chrono de M. Elissal. C'est fini. Et c'est fini. C'est la 6e victoire des Agenais. Toulouse est tombée encore aujourd'hui à Armandie. 2e défaite de la saison pour les Toulousains. Après celle concédée à Perpignan lors de la première journée. Il y aura la revanche Toulouse-Perpignan la semaine prochaine en direct devant les caméras de Canal. Les Agenais, eux, recevront Narbonne et toutes les équipes savent que le déplacement d'Armandie
ne sera vraiment pas une sinécure cette saison. Eric, Agen candidat à retrouver le Stade de France. La Guilly. Eric. Eric. Ah oh, bah je ne sais. Oui, alors, je suis avec Fabien Pelousse. Un perdant malheureux, en même temps vous êtes fait quand même bouger un peu en première mi-temps. C'est toujours des combats très âpres quand même. Ouais, je crois que Agen mérite sa victoire dans la mesure où ils ont été plus forts que nous en conquête. Hein. En conquête sur la première mi-temps, même si je pense qu'à Melo on a rivalisé. On a perdu beaucoup de ballons en touche. On va continuer plus tard. Là-bas. Avancer vers le couloir, c'est vrai que vous serez un peu à l'abri de la joie exubérante, mais on la comprend, des supporters agenais qui vont assaillir de demandes d'autographes les vedettes de la journée. Je dirais pas que ça a ressemblé à la demi-finale. Il y a eu peu d'essais, il y a eu beaucoup de points de buteurs. Un gros combat, ben c'est un peu dans la tradition des Agen Toulouse qui ne sont pas les matchs avec rugby, avec ballon à l'aile tout le temps. En fait, on attend beaucoup d'un festival d'art et d'essai dans ces matchs-là, mais les deux clubs se connaissent bien. C'est vrai que ça part toujours d'un gros combat parce qu'ils le savent bien qu'il faut commencer par les basiques. Et donc, c'est ce qui a été fait encore aujourd'hui. On a François Gélès avec Philippe. Oui, avec François Gélès, l'homme du match. Alors on va appeler ça comme ça, hein, parce que tu as été élu homme du match, donc on va t'appeler l'homme du match. Franchement, belle conduite de jeu au pied. Tu vas me dire que c'est un match collectif, qu'il a été gagné devant et pas partout spécialement. Mais tu m'as l'air très en forme quand même. Ben non, pas spécialement, enfin, je trouve pas trop, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait une première mi-temps où je pense que sur terrain sec, on aurait eu plus de facilité, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à enclencher des mouvements assez intéressants, mais on a fait tomber énormément de ballons au moment justement où on arrivait à les déstabiliser. Donc il fallait bien concrétiser au pied, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les pénales touches. François, on a l'impression que quand même, il y a eu vous jouez pas la Coupe d'Europe, hein, tout le monde le sait. Il y a eu deux semaines où vous n'avez pas pu véritablement avoir des matchs vraiment de la compétition. Ça s'est quand même senti au milieu de la deuxième mi-temps, entre le début de la deuxième mi-temps et le milieu de la deuxième mi-temps. Vous avez manqué de rythme un peu quand même. C'est évident, et en plus on savait que les Toulousains étaient très forts en début de deuxième mi-temps et qu'on risquait de souffrir. On voulait pas se le dire, mais on sentait qu'on aurait beaucoup de mal au niveau du rythme. Et plus le match avançait, c'est vrai que plus on a eu de mal, et c'est vrai qu'on s'est repris parce qu'en fait la bagarre nous a un peu titillé, et c'est vrai que ça vous a réveillé. Oui. Ça, on a eu un peu d'orgueil et on s'est réveillé en fin de match, mais ça n'a pas été un très très beau match, je suis désolé, le temps n'y a pas aidé, et puis c'est vrai que ça a été deux défenses très agressives, et malheureusement on a pu concrétiser qu'au pied. C'est bien dommage parce que c'est le premier match de la saison où on marque pas d'essai, et manque de pot, il y a la télé. Ouais, on t'en veut pas, on vous en veut pas, c'est merci. Bon. La Guille, merci. On a la caméra dans le vestiaire d'Agen, tu peux y aller, c'est vrai, un premier match de saison où il n'y a pas d'essai à Genève. On vous disait que c'était la meilleure attaque, ils avaient inscrit 19 essais jusqu'à aujourd'hui, pas de chance, mais encore une fois, c'est vrai que vous n'êtes pas très beau, mais gros match, et Agen est toujours là, plus que jamais. On va partager leur joie d'abord. Oui, il y a toujours une très grosse défense, bonne organisation du côté des Agenais. On va les écouter un petit peu dans les vestiaires. Ils chantent.